Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce petit live consacré à Tombi. Petit live, ou bah, pour ceux qui verront en live ou ceux qui verront la vidéo en replay ultérieurement, voilà, bienvenue dans cette vidéo. C'est difficile de suivre les objectifs sur Tombi, alors de là à dire bah, dans cette vidéo il y aura telle ou telle chose d'avancée, je sais pas, parce que je les fais pas forcément dans l'ordre. Enfin, j'avance un peu dans le jeu comme je veux, comme je peux. Donc là, effectivement, on voit pas le jeu. C'est bien Tombi, voilà, le petit Tombi que je suis pas mécontent de posséder. Voilà, donc c'est bien le vrai jeu, hein, encore une fois, pour ceux qui en douteraient, qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Alors j'ai un setup un peu bordélique, mais j'ai bien ma manette, elle est branchée sur ma PS1. Je joue sur une télé cathodique. Et puis voilà. Bah, c'est du direct live sur PS1. Voilà, bah, écoutez. On va démarrer gentiment. Je vérifie. J'avais un peu l'impression que ça ramait, mais non, ça a l'air de. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Donc. Il est comme ça. J'ai toujours un petit peu de mal à savoir comment ça fonctionne. Voilà. Ok. Eh ben oui, c'est bon. Ben oui, c'est bon. Tout est ready, tout est prêt. Voilà. Donc, il fallait que je relance le jeu parce que je l'avais mis en anglais. Et il se met tout seul en automatique. Donc, on y va. On est en nouvelle partie non chargée partie. Je vais mettre un peu de son sur la télé. J'espère qu'il y aura du son. Ouais, on entend la musique. Voilà, tout va bien. Ma petite carte mémoire, elle est prête. Alors, 7-0-8, 6-40, ah, non, on en est là, voilà. Bah, tout a l'air de rouler, enregistré vers ce bloc. Alors oui, c'est ça qui est, c'est charger ce bloc. La traduction est pas tip-top, encore une fois. Tombi, c'est un jeu auquel je m'attendais pas forcément, c'est-à-dire que on pourrait considérer que Tombi, c'est un jeu de plateforme. Alors oui, c'est un jeu de plateforme, mais avec les multiples objectifs qu'il y a dedans, c'est assez chargé. Salut Titicraft, comment ça va? Bienvenue sur ce petit live Tombi. Voilà. Donc, merci, hop là, Titicraft qui, bah voilà, a proposé, comment dire, Tombi. Ah, je peux pas. Non, je peux pas. Tout simplement, non. Non, je ressors. Voilà. Eh bien, une petite soirée sur Tombi. Ouais. J'ai cru que j'allais me. Une petite soirée sur Tombi sur le Discord. Voilà. Oups. Là. Tout simplement. Donc bah du coup, voilà. Je rappelle en même temps, j'en profite puisqu'il y a un Discord. Hein. Là. Non, c'est bon. Donc. Là, en bas à gauche. Voilà. On y va. Petite salle bah, qu'on a pu découvrir la dernière fois, un interrupteur qui avait été actionné, mais loin, loin, loin dans le jeu. Salut gros méditation. Tu parles tout seul depuis longtemps? Non, bah, je parle pas tout seul, c'est ceux qui verront éventuellement la vidéo après en replay. C'est quand même plus intéressant d'avoir un peu d'infos. Non, ça fait pas longtemps, ça fait. Bon, ah oui, non, il n'y a pas le temps, on va dire 2 minutes. 2 minutes, histoire de démarrer le jeu, puis de me rappeler. Où est-ce que j'en suis? Non? Bah, tu peux pas lui parler? Alors j'ai pas. Ouais, j'ai pas fait d'annonce sur Twitter, pas de. Voilà, je me suis dit bon. Comment on parle au perso? Ok. Ah bah ça y est, voilà, creusons. Non, c'est le carré, c'est bien ce qui me semblait, voilà. Creusons, creusons. On peut courir. C'est quoi par là? Absolument rien. Ok. Normal. Salut Ricardada! Les médocs, on peut faire du tombi, c'est bon. Mais. C'est moi ou il est bizarre ce niveau? Je peux pas sauter, rien. Hé hé hé, recule, tu vas te blesser. Adapté de musique? J'espère que de votre côté ça va. Écoutez, petit live tranquillou hein, ce soir, voilà. Pas de stress.
full détente. Hein, Il creuse dans la pièce, lui. Quelle bonne surprise, les visiteurs se font rares. As-tu vu la porte condamnée? Oui. Un petit objectif, ça me manquait, ça. Salut Damien. Bienvenue. Alors écoutez, on peut papoter de plein de choses ce soir. Je suis allé voir Uncharted. Uncharted, je sais pas comment vous dites. Bon, comment je ressors là-dedans, voilà. Moi j'ai bien aimé, après, voilà, hein, c'est du film d'action, hein, faut pas non plus... Il y a une trappe là où je rêve. Faut pas vous attendre à ce que ça vous retourne le cerveau, hein. Et lui, je peux l'ouvrir? Ah bah oui. Fromage reçu. Ok. Mais non, franchement, très bien, moi, j'ai bien kiffé ce film Uncharted. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un devin dans le labyrinthe souterrain. D'accord, je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis sûr qu'il exige une quantité énorme de PA. Le devin bleu, ok. Ah bah des objectifs ont l'air pas mal. Hein. Mmh. Ouais, Uncharted, hein, c'est ça. Bon, après... Alors, comme j'ai pu peut-être en discuter avec certains, c'est vrai que... Le film, moi à la base, je voulais que ce soit Nathan Fillion en Fillion en Nathan Drake. Alors forcément, là c'est Tom Holland. Alors, je me suis fait une raison, hein, on va pas se mentir. C'est le mec qui a... Mais il y a une, cette petite musique. Okay. C'est le mec qui est un peu bankable en ce moment, hein, forcément, après avoir fait Spider-Man. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, d'accord, je me demandais ce que j'avais en haut. Ok, ascenseur. Force max reçu. Tiens! Oui, voilà, cela devrait nous aider. Allez, je vais la lire. Pour une fois que j'ai pas d'objectif et... Ok. Oh, évidemment qu'il y aura une suite. S'ils rentrent dans leurs frais, en vrai. C'est que je suis, là. Je sais plus ce que l'on faisait. On avait vu une sorcière et le vieux sage de 10 000 ans, je crois. Alors, le vieux sage de 10 000 ans, je sais pas si on l'a vu. Tu crois qu'on l'a vu? Attends. On peut pas rentrer, là? Oui, on peut rentrer. Ouais. Non, je me souviens pas du tout non plus de ce... Merde. Bah, comme ça, voilà, ça c'est fait. Bon. Je vais juste prendre l'ascenseur. Ah, bon. Ah oui, d'accord, ok. Alors, il... Tom Holland est un bon acteur, mais je trouve qu'il rajeunit vachement le héros. Oui, alors après... Alors, je voudrais juste quitter. Oui, je vais recharger parce que... Oui, non, Titi Craft, vu les vies, je vais pas me risquer à me retrouver avec une vie comme la dernière fois. Avec le Ghost in the Shell américain dont le Major joue dans les Marvel pour une Major asiatique, ça le fait pas, mais bon, ouais, c'est un peu le souci, on n'a pas trop le choix. Tu te dis, bon, bah, tu te fais un peu une raison. Après, enregistre un bloc. Oui, c'est doré, voilà. Après, non, franchement, ça le fait. C'est même. Ça reste même assez soft, j'ai envie de dire. Je vais pas spoiler, hein. Damien, du coup, si tu vas voir le film, tu me diras. Après, je vais essayer de pas trop en dire. C'est-à-dire que sur. Voilà. Je veux dire, quand on connaît les jeux. Hop là. Voilà. Quand on connaît les jeux, on sait que Nathan Drake, il saute dans tous les sens. C'est vraiment. C'est vraiment un singe, enfin. Ouf, putain. Mais qu'est-ce que tu me fais là? C'est vraiment un petit singe ambulant. Bon, je vais passer par là alors. Est-ce que tu veux me. Voilà, c'est bon? Et c'est vraiment un singe. Enfin, j'ai fait des acrobaties. Ah, ok, ça marche. Ok. Voilà, il fait des acrobaties un peu folles, un peu beaucoup folles, hein, même dans les jeux.
un truc qui serait pas possible. Bon, c'est le carré pour parler. Et j'ai trouvé que dans le film, ça restait soft. Hein. Ça va. Ils auraient pu faire pire. Que tu vas te blesser. Voilà. L'ascenseur et le sous-sol. Oui, c'était l'ascenseur et le sous-sol, mais je me souviens pas de ce qu'il y avait au bout. Hein. Quelle bonne surprise, les visiteurs se font rares, as-tu vu la porte en année? Oui. La porte, voilà. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était resté assez soft, hein, parce que dans le jeu, il fait des trucs... Le jeu est assez permissif quand on saute. Il y a des moments où il se rattrape aux branches quand même, voilà. Hop, labyrinthe, souterrain, là. Voilà. Et dans le film, ça va, ça reste vraiment très correct. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil au jeu. Il y a plein de clins d'œil, j'ai trouvé ça cool. Plein de nouvelles quêtes en perspective, ouais, tu m'étonnes, Titi Craft. Comme si on n'en avait pas assez. Attends, je vais juste faire un tour vite fait dans l'inventaire pour qu'on rigole 5 minutes. Qu'on regarde, attendez, je vais juste vérifier. Donc là, c'est l'ascenseur. Dans les quêtes, le menu, parce qu'il y a deux menus, il y a le menu triangle et il y a le menu select. Fait, voilà. Et menu triangle, c'est le menu rapide pour les objets, si je dis pas de bêtises. Alors, fait, ça, c'est mes. Voilà. Donc, bracelet de grand-père. Trouve le bracelet que les cochons coma ont volé. Donc, tout ça c'est fait, ça on a pas mal de faits. Mon phénix enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac. Bon, ça c'est pas encore fait. Il a pas mal quand même de déjà fait. 10 perles mates. Sac du cochon sous-marin. La porte du voleur, c'est peut-être ça. Quel outil dois-je utiliser pour ouvrir cette porte? Sac du cochon jungle. Creuse comme une taupe. Ah, on doit pas être loin. Un mineur qui tente de creuser un nouveau chemin. Ok. Forêt aux 100 fleurs. Besoin, il y a un paquet. Ah, on en fait pas mal. La chasse aux monstres. Ah, ça, c'est les fameuses combats, le monstre qui vit dans la forêt champignon. Peut-être pas ça. Le monstre, je confonds peut-être avec les deux espèces de trucs bizarres, quoi. Il faut faire des objectifs dans le jeu, mais je savais pas. Non, je savais pas. Ce soir, tu es diffusé sur mon grand écran via PS4 pour une très bonne fluidité et je t'écris via mon portable. Ah, c'est cool! Donc ça fonctionne alors, tout va bien. Voyons, c'est un honneur parce que c'est chaud la PS1 quand même. Hein. Bébé pleurnicheur, cache-cache. Donc si ça fonctionne, bon, c'est cool, tant mieux. Quand le vent se calme, papillon-feuille. Ah, papillon-feuille, ça, on y est presque, ça. J'étais persuadé de les avoir. Bon, cache-cache. Joue à cache-cache avec Yann. Je sais pas qui est Yann. Bébé pleurnicheur. Une porte verrouillée avec un visage triste. Ok. On va faire ça, mais... Ah, c'est pas mal. Là, sur toutes les pages, il y a des pages un peu vides, mais... Ok. Allez, au gate. Donc, on y va. Voilà. Après, oui, ce que je disais pour Uncharted, par exemple, sur certains décors, il y a des décors qui sont un peu moins beaux que d'autres, trouvé. Non. Mais bon... Tiens, voilà, cela devrait nous aider. On n'a pas la moindre idée de ce qu'il nous dit. La vidéo reste figée. Ah mince! Même si tu actualises ou un truc comme ça? La PS1 a grillé plus d'une PS4 pour abus de pixels. Elle est en sous-régime. Alors, du coup, là, on arrive à une maison. Là, il y a un truc où je monte. Là, il va y avoir une espèce de plante bizarre. Ouh, la vache. Ah, tiens, cela devrait nous aider. Il m'a rechargé, il m'a mis à 8. J'avais pas capté. Donc, ça, c'est fermé. C'est ça, la blague? Non, c'est ouvert. Ok, ça a une tronche de... Salut, Batman! Alors, hé, qui es-tu? Merci d'avoir attrapé le cochon qui a ensorcelé cet endroit. Ah, donc c'est que je suis déjà venu. Plus mon cochon nage. Bon, allez, ça c'est de la nage. Ouais, moi j'ai déjà devenu. Je la reconnais pas, la maison. La PS4 calcule trop, la PS4 elle a pas l'habitude. par là je peux pas y aller.
l'impression que c'est la, la. C'est marrant, ça ressemble à une espèce de manoir hanté, mais pas hanté. Du coup, je suis dans la mine. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est un peu bizarre. Image PS1 sur mon écran passe bien. Cyril n'est pas pixelisé. Ah, c'est cool. C'est Après, j'ai. Ça a merdouillé au début. Je voyais que ça figeait. Je fais, bon, on va croiser les doigts en espérant que tout passe bien. Mais bon, ça a l'air de. Je me souvenais pas qu'il s'assoit comme ça. Ouais, c'est le manoir hanté qui est plus. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Il devait être hanté à cause des petits cochons. Les vilains petits cochons. Du coup, je suis un peu perdu parce que. Parce que je peux faire. Oui. Ma prochaine vidéo. Ah, grande question. c'est compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais c'est que j'ai plusieurs projets en même temps et en fait je bosse sur comment dire pour la convention pour Grucher. Et donc je bosse sur un truc que je prépare depuis un moment. Et en fait, alors j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal. C'est un truc qui demande beaucoup de temps. Alors il y a Greg qui est pas là, j'ai R3D, mais tu maîtrises bien le grappin. Oui. Et en fait, ça me demande pas mal de temps, voilà. Et comment ça va? Qu'en penses-tu? C'est joli? Non, oui, c'est vraiment grâce à toi, Tombi. D'accord. Et en fait, du coup, je galère. Dès que j'ai un moment, je passe du temps sur ce que je prépare pour la convention, quoi. Le futur grand jeu de la PS1 du lundi soir. Ben, il y a. As-tu déjà rencontré les amis de la personne qui l'a venir? Peut-être. Je réfléchis. Il faut des champignons curatifs pour stopper l'effet des champignons hilars et larmoyants, n'est-ce pas? Donc si par hasard je mange d'autres champignons, comme les champignons suspects, et que je deviens paranoïaque, comment je peux guérir? Je me souviens qu'il y a plein de mauvais champignons par ici, il devait. Vrai. Pourtant, il y en a avoir des bons. Ok. Merde. Bon truc. Non, prochaine vidéo, effectivement. Ok. Et Tombi? Ça faisait longtemps, quoi de neuf? Tu as besoin de vin? Entendu, tant que ce n'est pas pour toi, je t'en donne autant que tu veux. Mais n'en bois surtout pas, jeune homme. Vin reçu. Ok. Et donc en fait, j'ai plein de sujets de vidéos à traiter, auxquels j'ai pensé, plein de choses à faire, mais du coup, faut que j'y m'y mette, quoi. C'est des Mexicains. Ouais, c'était des souris avant, mais là, c'est des Mexicains. Je vois. Adibou Titicraft, il va être content. Ah oui, en jeu du lundi soir, non. Non, Adibou, c'est vraiment un truc que j'ai pas connu à l'époque. Les Razmoquettes, éventuellement, parce que ça serait en français, il y aura les voix, il y aura la musique, enfin, vous voyez, il y aura un truc que je retrouverais de la série télé, enfin, je pourrais raconter des choses, mais Adibou, j'ai jamais joué à Adibou. Alors, pense à nous de temps en temps, d'accord? Ok. Tu as trouvé une clé? Ça? Oui, vas-y, prends-la, elle permet d'ouvrir une des portes du manoir hanté. Et bah voilà. Chercher une clé, ça veut dire? Bon, bah l'autre, je peux pas y parler. Et comment je redescends? Non. Pas la bonne place. Mais après, je me dis, bon, tout est possible en vidéo, quoi. Razmoquette, go. Oh, ça peut être une idée. Après, il y en a 5, hein, quand même, sur PS1. 4 ou 5, je crois. Une porte qui était fermée dans le manoir. Je suis sûr que je voulais dire autre chose. Grâce à toi, nous sommes redevenus nous-mêmes. Merci. Il y avait un truc. Au fait, as-tu aperçu un petit cochon? Coma. On les appelle des porcelaines, mais je n'en trouve aucun. Si jamais tu en trouves un, peux-tu me le donner? J'ai promis de l'échanger contre une chose très spéciale. J'en ai pas des petits cochons. Trouvant un tri. C'est les armes. Cochon rouge, non mais doucement, porcelé, oui, je l'ai. Et c'est ça, où l'as-tu trouvé? Super, comme promis, je vais te donner quelque chose de très spécial, roulement de tambour. Brrr, voici la griffe coca, la plus étrange au monde. Qu'a-t-elle de si étrange? Allez, tu plaisantes, non?
Fais comme si tu l'aimais. Bon, allez, j'y vais. Salut. Bon, gaz de fleurs de pêche. Ok, on a récupéré un truc. Gaz de fleurs de pêcher. Adibou et l'ombre verte, je l'avais fait à Lego. Ouais, les races bitumes. Les races bitumes, c'est quand ils étaient plus grands, je crois que c'est ça. Hein. Le tombi, Damien, il est sorti. Attends, je vais regarder. 97. Ah ouais, 97. 97. Hop, là, il est là. Voilà. En 97. 97, après, est-ce que c'est... Oui, c'est chez nous, normalement, c'est la date... La date qui est marquée. Moi, je prends l'année au dos de la boîte. En général, c'est assez. Bon, j'ai pas la date exacte, mais même les dates, c'est compliqué parce que. Je sais pas si c'est vraiment bien répertorié. Fait, voilà. Donc après, j'ai pas les dates. On n'a pas les dates exactement comme. Comment dire. Comme au Japon ou aux États-Unis. C'est un peu plus. Bordélique en Europe. Bracelet de grand-père. Alors, c'était quoi ce qu'il nous a dit? Le P de. Je sais pas quoi. Je vais jamais retrouver l'objectif dont il vient de me parler. Mais non, prochain. Je vais pas dire prochain jeu FF8, mais. prochaine vidéo, ce sera pas FF7 non plus parce qu'il faut du temps pour l'écrire. Mais en fait, j'ai vraiment hâte de passer cette convention Gruchet parce que. Ce qui va se passer, c'est que je vais changer un petit peu d'habitude, c'était genre sur une table, voilà, se débrouiller comme ça. Et là, ce que j'ai envie, c'est que ce soit plus un espace animation, plus sympa, voilà. Donc je prépare vraiment un truc gaz de fleurs de pêcher. Ok, bah c'est ce truc-là. Un porcelet coma. Ok. FF8. Ah, Suikoden, je pourrais en refaire un, mais j'ai pas aimé, alors... Ouais, 97, on est d'accord, ça paraît loin, hein. Je confirme que 97, ça paraît loin. Maison de la devineresse rouge, offre spéciale consultation gratuite. Donc c'est le truc qui était là. Et... rose est un endroit brûlant, vert est le manoir près du lac, rouge est un miracle à venir. Merci. Alors, qui es-tu, toi? Salut, Tombi. Tu débordes d'énergie, sois prudent. D'accord. J'ai du mal à le croire, tu as vraiment vaincu les vilains cochons. Ouais. Alors, tu as pu trouver du fromage. Oui, j'ai trouvé du fromage, tout à fait. Je l'ai même eu dans la caverne. C'est un objet... Fromage, impossible? Oh. Ou c'était juste parce qu'il m'a donné un indice. Alors, tu as pu trouver du fromage. C'est lui qui m'a. Bon. Lui, il en a pas besoin de fromage. Ouais, donc je disais effectivement cette histoire avec les conventions. C'était compliqué. C'est compliqué parce que. Avec le Covid, tout a été un peu. Arrêté, on va dire, pendant 2 ans. Et quand t'as une bonne. T'as une bonne inertie, ben, ça a tout freiné, puis après, bon, un peu moins de motifs sur certains trucs ou d'autres, mais tenter d'autres choses, bon, voilà. Même en vidéo, j'ai tenté des choses, mais ça n'a pas forcément fonctionné plus que ça. Alors après, c'est pas que c'est pas grave, c'est que je cherche toujours. S'il y avait un truc qui avait fonctionné plus qu'un autre, bah, j'aurais continué dans ce sens-là, mais c'est pas forcément le cas. Donc du coup, ben, j'ai fait un peu de vidéos, je fais un peu de trucs pour les conventions, donc là, je suis dans ma phase de convention, voilà. Puis après, il y a aussi le fait que les gamins étaient en vacances à Noël, donc bah du coup, ça coupe. J'ai bossé, je rebosse, donc parfois plusieurs projets les uns cumulés avec d'autres. Donc voilà, des fois, c'est un peu compliqué. Non, j'ai pas contacté Cal. Non, mais en fait, je préfère pas le contacter maintenant parce que... Enfin, ou après, je peux lui envoyer un petit mot pour papoter. Mais le problème, c'est que si je suis pas prêt, je me dis que ça serait dommage. Non, je pourrais lui envoyer un petit mot. Fait avec toi. Ouais, mais justement, j'ai pas forcément le temps de discuter, c'est ça le... C'est ça qui m'embêterait. Ça m'embêterait de le contacter, lui dire hey, « Eh, salut, ça va? Bon, je me casse, je dois aller bosser, tu vois. » Je préférerais me dire, bon, si je le contacte, que je sois un minimum dispo. Et là, en ce moment, c'est encore un peu compliqué. Ah, c'est cool. «
Donc comme c'est encore un peu compliqué, je me dis, j'ai pas envie de louper ça. C'est un peu comme la vidéo avec Conquerax. Ça faisait deux ans qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on la fasse. Il y a un moment, je l'avais recontacté, ça avait pas pu se faire. Il était parti en vacances et tout. Et du coup, c'était pas grave. Mais du coup, au moment où je me suis dit, bah là c'est bon, on fait la vidéo, il fallait que je sois prêt moi aussi à avoir un petit truc sympa à mettre sur ma chaîne, donc ça faisait double boulot, donc voilà. Donc il y a des fois c'est un peu compliqué, c'est pas juste discuter 5 minutes, voilà. Il bosse beaucoup, quitte à faire un live ou autre, ça serait mieux de prévoir à l'avance, quoi. Prévoir un chrono, oui c'est ça. Non mais c'est clair que... Puis même, je pense qu'il faut que je regarde un peu plus ces vidéos, parce qu'il y en a sûrement à côté desquelles je suis passé, ou j'ai pas pris le temps, tant que j'étais dans FF7, c'était compliqué. Tu peux partir maintenant, capturer le bon Sugi pour nous. Bon Sugi, je sais plus où il est. Il est vraiment très fort. Super. Mais je peux pas passer. Ah si, je peux passer. Il y a des fois, les hitbox, elles sont pas dingues. Hein. On a un peu de mal à passer. Même pour les portes. Donc voilà un peu l'idée. Je me dis si je le contacte, il faut que je sois prêt à faire quelque chose. Je veux dire, c'est l'envie de bien faire. Voilà. Donc je perds pas l'idée. En général, je mets beaucoup de temps à faire les choses. Mais alors là en dessous, oh, mais ce truc là, ça me sert à rien parce que c'est l'espèce de. Je vais retourner voir. Je réexplore un peu la map parce que je vais pas dire. Je suis pas perdu. Je suis pas perdu. Ok, par là il y a rien. Par là-bas il y a rien parce que ça me ramène au. C'était pas tout à fait ça. Mais. Quand je vois par exemple Durandal qui a sorti des vidéos sur FF7, je me dis c'est chaud de repasser après quelqu'un comme ça, d'aussi détaillé, d'aussi passionné, on va dire, d'aussi impliqué. Voilà. Parce que... Cyril et son sens d'orientation légendaire, oui. Moi, c'est les nombres de quêtes qui est chaud à suivre. Oui, on est d'accord, hein, j'ai un petit peu de map. Mais je sais qu'il y avait un truc avec le mont Venteux là, mais. J'aurais bien aimé comprendre pourquoi. Mont Orageux. Alors, Mont Orageux, c'est le mont Venteux. Bah, en même temps, oui, non, non. Oui, oui, si tu veux. Non, ça coûte rien d'enregistrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me balader vite fait. Vas-y, choisis, oui, oui. Et on va se casser au mont Venteux. Il y avait un truc comme ça. Après, j'ai la soluce pas loin, faudrait que je... Voilà. C'est quoi ça? Oh, d'accord. C'est ça ce que je voulais casser par là. C'est pas ça. C'est un peu le souci avec ce jeu, c'est que... Un jeu de plateforme, tu te dis bon, tu fais les niveaux un par un, enfin à la Mario quoi, t'avances, gauche, droite, machin, t'as pas à revenir dans les niveaux et les machins. C'est un peu plus compliqué que ça quoi. C'est peut-être aussi pour ça que le jeu a moins bien marché, je sais pas. Manoir hanté. Il m'a dit qu'il y avait une porte qui était fermée à clé, maintenant j'ai une clé. Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à chercher Mon Phénix? Mon Venteux ou Mon Phénix? Ni du Phénix. Je suis au début, mais... Il y a des endroits où je peux pas aller sur la map, là. Les jaquettes CDI. Ah ouais, chaud. Une fois que tu peux fast travel. Oui, oui, c'est ça en fait. Hein. Oui, oui, Durandal, il a fait que le FF7. Et c'est déjà pas mal. Hein. Sur 3 vidéos énormes. Voilà, je pense que j'y passerai pas autant de temps. Hein. J'ai pas le même sens d'analyse. Enfin, j'irai pas pousser le truc à son paroxysme. Voilà, ce sera beaucoup plus basique.
Alors, ah oui, par là, ok, on va à la suite. Village de la civilisation Châteaufer. Est-ce qu'il y avait un truc là-dedans, la forêt champignon? Bon, allez, on va essayer de trouver un truc. Forêt champignon, forêt champignon. Forêt champignon, forêt champignon. Il y avait un truc indiqué, donc vas-y. J'ai dû me tomber là. Il est où le chien machin chose là? Non. Oui, mais c'est à dire comment ça fonctionne. Il est où? J'ai chopé un. Je suis un peu perdu, ouais, je confirme. Ah, c'est bizarre, non? Fait, bah ça, non, on s'en fiche. État. Mon, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il met? Mon phénix. Ah, je peux pas choisir. Élan animal, langue des nains, nage, plongeon, faculté. Ok, mon phénix, mon orageux. Ok. Par contre, l'histoire du chien, je sais pas quoi là. Moi, je peux pas le. Le chien. MTN, ouais. Je voyais Julien Chiez en live au moment de me lever. Ah ouais! Ah, Street Fighter 6 annoncé. J'ai vu un. J'ai vu un trailer, mais je savais pas si c'était vrai ou pas. Que. Bon, après, on s'en doutait un peu avec le 6 en forme de. Punch là. Enfin. Je rêve pas quand même. J'ai les ailes charitables, j'ai pas le chien, je sais pas quoi là. J'ai que 4 pages. Bon, bon ok, bah vas-y pour les ailes. L'annonce de Capcom. Oui, j'ai pas trop. J'ai vu un truc, honnêtement, je me suis posé la question si c'était un vrai, vrai trailer. Un décompte et Julien attendait en live, du coup je l'ai vu. Ok, c'était vrai. D'accord. Oui, il y avait effectivement un décompte. Ah, il est sur tous les fronts, ce Julien Chiez. C'est rigolo, parce que du coup, en fait, j'ai toujours des vieux PlayStation Magazine qui traînent un peu partout chez moi. Et je tombe toujours sur des... En 2000, il bossait à PlayStation Magazine. Et il s'occupait du courrier des lecteurs, par exemple. Il s'occupait de quoi? Il y avait quelques news du Japon. Du coup, on voit son nom dedans. Donc, c'est rigolo, c'est original, c'est sympa. Enfin, c'est original, bah, c'est marrant de retrouver ça 20 ans après, quoi. Nouveau Tortue Ninja qui va sortir. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu le Tortue Ninja et ils ont même fait une annonce avec... comment ça s'appelle? Splinter. Splinter qui sera jouable dedans. Gollum? Comme dans la vidéo du GDG? Gollum? Quel Gollum? Bon, l'histoire du chien dans Tortugator. Ici d'utiliser, d'accord. Bon, par contre, on n'a pas le chien machin chose là à utiliser à l'infini. Hein. Très étrange. Très 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 étrange. Ouais. C'est le pseudo de Julien dans les magazines où il bossait. Hein? Gollum? Ah bon? C'était son pseudo. Ah ouais. Ah non, là il est bien crédité en Julien Chiez. Non, c'est bien indiqué Julien Chiez. Turtles Ninja Shredder Revenge. Ah yes, ok. Je crois qu'ils l'ont écrit Turtles Ninja Hero Mutant. bon, bah, du coup, je vais essayer de trouver la porte qui est fermée dans le manoir. Ouais, il a l'air cool, hein, ce Tortue Ninja. J'ai pas approfondi plus que ça, mais bon, après, ça a l'air super propre. Enfin, ce qui est sympa, c'est ils ont repris le... Bah, du coup, le... Oups, là, doucement. Le design des Tortues Ninja qu'on connaît, quoi, en gros.
Turtles 5. Dans le JDG, il montre bien l'article crédité Gollum. Ah ok, tu vois, je m'en rappelais pas. Pas de date pour le moment, ok. Ici, ok, on est déjà venu. Mais... Ah non, je confonds. C'est le même mec. C'est le même mec, mais... la même salle. Enfin, à la maison, merci ton mec, d'accord. Bah y'a rien. Et je vais chercher une porte fermée. Parce que j'ai récupéré une clé. Pas une bêtise, j'ai bien une clé. Clé centenaire, clé millénaire, grosse clé, petite clé, clé de la vieille mare. Ok. Si les clés elles disparaissent une fois qu'on s'en est servi, mais. Là je peux pas monter. Oui, je peux monter. Ok, ici c'est là où il y avait le cochon, non? Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. De toute façon, c'est mythique quand ils font un peu de sorte de suite de jeux d'époque. Ah oui! Crash 4, Mega Man 11. Ouais, c'est clair. Fais attention à toi, tu rencontreras là-haut certains de mes amis qui pourront te venir en aide. Mais méfie-toi du vieil homme de 10 000 ans, donc méchant, mais enfin, tu verras, bonne chance. Ah non, mais non, c'est bon, on l'a déjà vu. Mais je trouve ça cool, parce que sur les Tortues Ninja, ils auraient pu prendre le design... le design de la nouvelle série qui... Bon bah faut... voilà quoi. Et Crash 4 c'était sympa aussi dans le sens où ben ayant repris le design du remake, c'était assez improbable qu'on ait une suite à Crash Bandicoot, voilà. Non, le Crash 4 j'y ai pas joué encore, j'aurais bien aimé. Megaman, je sais qu'il avait pas forcément fait l'unanimité, mais il y a un trou là où... Non, ouais, ok. Mais j'ai pas poursuivi plus que ça le Megaman 11. Mais j'ai presque envie de dire c'est une valeur sûre quoi. Tu le mets un peu n'importe quand. Voilà. Mais il avait eu un petit petite concurrence je crois avec un jeu qui était dans le même style. Il n'y a pas une porte là-haut. J'ai oublié son nom. Ok. Oh, c'est vraiment bizarrement foutu. Hein. Ça c'était le truc hier. Et c'était pas Mighty Number 9 ou un truc comme ça, il y avait pas que... Je l'ai pas vu. Hé là-bas, ça faisait longtemps. Rappelle-moi ton nom. Quoi? La première fois que nous voyons? Ah bah tu vois, il y avait des pièces que j'ai plus. Tu en es vraiment sûr? Bon, peu importe. Qu'est-ce qui t'amène ici? Mon trésor? Attends, fais pas. Je l'ai confié à mon bras droit, je n'ai confiance en lui. Ok. Donc lui je lui donne quelque chose. Non. Mighty Nine, ouais c'est ça, Mighty Nine. On est Final Vendetta, un beat'em all qui a l'air cool. Ah j'ai entendu parler mais je me suis pas je suis pas intéressé plus que ça. Qu'as-tu retenu du dernier Nintendo Direct? dernier Nintendo Direct. Bah j'ai retenu tiens qu'il allait y avoir un Clonoa. Très bien. Il veut son bras droit. Et j'ai pas de bras droit. Nintendo Direct, j'ai retenu qu'il allait y avoir un. Là y a rien. Clonoa 25e anniversaire sur PS4. Qu'il allait y avoir Chrono Cross sur PS4. C'était sympa comme Nintendo Direct. En fait, c'était rigolo, c'est que le lendemain, tu vois toutes les annonces de ce qui va sortir aussi sur PS4, la même chose, quoi. Voilà. Clonoa, t'as jamais joué à Clonoa, Titi Craft? Clonoa, c'est sympa. C'est moins tordu que ce truc-là. C'est de la 2D et demi, mais moins bordélique, quoi. Parce que là, c'est-à-dire que... C'est compliqué parce que quand je vois pour... je vais montrer un exemple typique quand on est là. Là pour aller ici... Non, c'est pas ça. Je sais plus. Tout à l'heure je l'ai fait. Je peux plus, voilà. Pour aller à droite, faut appuyer vers le haut. Et ça a pas de sens quoi. Donc pour aller au fond, faut appuyer vers le haut.
Et en faisant ça, le truc il pivote. Alors oui, bon, d'accord, c'est peut-être sympa. Mais dans Klonoa, c'est beaucoup plus simple. C'est soit tu vas dans la profondeur, soit t'es devant. C'est un peu un gameplay à la Pandemonium. Là, je vais pas y aller. Et moi, j'avais bien aimé Pandemonium. Et le 2, il était encore plus beau. Voilà, l'une est à Tazevale ou je sais plus quoi. Ben là, je l'ai déjà. C'est rare qu'un voleur se fasse cambrioler. Bah, des clés j'en ai, c'est une grande clé. C'est quoi que tu veux toi? Clé centenaire. Grosse clé. Inutile. Petite clé. Clé de la vieille mare. Ok. Bon. Ah oui, bah la bande sont refaites, oui. Chrono Cross enfin traduit officiellement en FR. Ah ouais! Le prologue Radical Dreamers sorti uniquement sur le Satellaview View Glass NES. Ah ouais! Je savais pas. Bah tu vois, j'ai pas tout suivi. Ils sortent un paquet de Beat'em All ces derniers temps. Streets of Rage 4, Mother Russia, Blitz. Ah, j'ai pas vu ça. The Takeover, Mayhem Brawler. Bah tu vois, t'es plus branché sur les Beat'em All que moi parce que. J'en ai pas vu autant. Moi, je me suis arrêté à bon, Streets of Rage 4, oui. Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a Paprium. Paprium, bien sûr, Paprium. Nintendo, quoi, tu m'étonnes. Mais Klonoa, ben, du coup, ça pourrait être l'occasion de se faire un petit let's play PS1. Encore une fois, j'ai presque envie de dire, pourquoi j'irais acheter le remake? Parce que je peux jouer... à l'original, ah oui, ça serait plus beau, Elnor du manoir, enregistré donné, oui. Mais j'ai même pas fini l'original, alors du coup, ben, si j'achète le remake, je sais que je finirai pas non plus. Grâce à donné, oui. non, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que t'as retenu? DLC Mario Kart 8, ah bah oui, avec je sais pas combien de circuits repris de tout ce qui s'est fait avant. Mario Kart 8 DLC, repris, qu'il faudra racheter. Mario Kart 8 avec plein de circuits, portage, ouais, c'est ça. Et un petit Kirby sans aucun intérêt. j'ai pas vu. J'ai pas vu, hein, pour Kirby, j'ai pas fait attention. Il manque une clé, c'est chiant, cette histoire de clé. Bien. Bah, la Switch, en soi, on peut pas dire que ce soit une mauvaise console, parce que vu le... Je tombe là? Non, je tombe pas. Et là, je tombe là? Non, je tombe pas. Et là, je tombe? Non, je tombe pas. Ok. Là, je tombe pas, mais il n'y a plus rien. Et la Switch, elle a quand même dépassé comment dire, le nombre de ventes de la Wii, si je dis pas de bêtises. Hein. Alors, Paprium, Damien, j'ai juste eu l'occasion de tester vite fait. Oui. Chez Pesca. C'est Alex qui l'avait. Et franchement il est cool. Moi j'ai bien aimé un coffre mais je peux pas l'ouvrir. Pas l'ouvrir, on est d'accord. Ah la poisse. Non mais. Vas-y, t'es gentil mais saute là. Il va sortir sur plusieurs supports. Bah il va sortir sur la Switch, hein. Je crois que c'est ça le truc hein, surtout. Il me semble, hein. Bon, je suis revenu au début. Je suis revenu au début, mais je vois pas. Est-ce qu'il y a une porte qui serait fermée? J'y suis pas allé. Je continue de faire le tour hein, du truc. Hein. Du manoir. Il y a une porte fermée quelque part, mais lui, je lui ai parlé. Ouah, ça fait longtemps qu'ils nous ont. Ça fait longtemps qu'ils nous ont abandonnés ici. Bah, tu peux y aller là maintenant. Non? À quoi ça sert Nintendo Live si on retient que DLC Mario Kart 8? En même temps, c'est eux qui tendent la main. Hein. Et là, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait... Non, récemment, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le test de Shechune sur Pokémon Arceus. Arceus, je sais pas comment on dit. Un jeu auquel je jouerai jamais, mais... Je peux pas aller de l'autre côté, là? Non, mais... Sérieusement?
C'est quoi le délire là? Elle a oublié de tourner la caméra ou quoi? Bon, ouais. Par là, c'était ok. Les futurs joueurs sont contents, ils pourront jouer au circuit de la version Android. Tu m'étonnes. Je suis étonné qu'il n'y a pas de nouveau jeu développé sur PS1. Bah pareil, pareil Damien. Ah, ah. Ok, un petit endroit que je voulais retourner voir. On n'a pas grand chose à faire, mais... C'est ça qui est bizarre dans ce jeu-là, c'est qu'à la fois il alterne entre 3D temps réel. Là c'est du précalculé à la Final Fantasy VIII, et ils ont voulu tout mettre dans ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Absolument rien. Bon, ok. Sur PS1, effectivement, c'est compliqué parce que je crois qu'il y a besoin de moteur 3D. Et en fait, la PS1 fait partie de ces consoles qui... Enfin, commençaient à être compliquées. J'ai presque envie de dire. Ou alors les gens ont pas d'affect avec. Je sais pas. Je sais pas non plus parce qu'on pourrait faire des trucs... on pourrait... Non, par là, non, y a rien. Yeah. Enfin, je me dis aussi, c'est bizarre, je veux dire, un truc à la... Je vais presque dire un truc à la Oddworld. Des images. J'ai enregistré. L'Ouest. Enregistré, oui. Un truc à la Oddworld, ça demande pas un moteur 3D de fou, j'ai l'impression. Enfin, même un truc en 2D... Je me dis, il y aurait moyen de faire quelque chose, quoi. Alors après, est-ce que les gens se disent, bah mais c'est compliqué à programmer sur PS1, vaut mieux le faire sur Dreamcast, parce qu'il y a quand même plus de joueurs PS1 que Dreamcast, mais au final, est-ce que la communauté Dreamcast est plus active que celle sur PS1? Enfin, du coup, bon, bah, j'en sais rien, quoi. Mais effectivement, je suis le premier surpris aussi, hein, qu'il n'y ait pas de... Putain, je voulais aller en bas, moi. Et PS1, ouais, je trouve ça bizarre, mais bon. C'est oui, KO. Et je peux pas être de l'autre côté. La Wii, une excellente console pour les rail shooters. Ah ouais. La Switch a déjà 5 ans et n'a toujours pas son Mario Kart. Ah, elle en a un. Mais parce que tu dis qu'elle en a pas parce que c'est celui de la Wii U, quoi. Ah mais voilà, en fait, il y allait, là, cet imbécile. Juste mal placé. Alors c'est quoi par là? Ouais, un truc avec des graphismes précalculés, Damien, sur PS1. Pourquoi faire des nouveaux jeux PS1 avec sa 3D moisie et nulle? Vive la N64, vive Nintendo. Ah, ah, oh, oh, oh. Ah, pourquoi tu l'as pas eu? J'arrive à les combattre, ces deux-là. Ça va me donner un truc. Où est-ce qu'ils sont? Allez, venez. Allez, venez, on est sur le but. Ça va être chiant à faire. Il monte, cet imbécile. Après, la Switch, moi le problème que j'ai avec la Switch, c'est que je voyais plein de jeux indés sortir dessus, et tout le monde disait « Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien !» C'est genre, c'est des jeux Steam qui ont 4 ou 5 ans, tu fais « Ouais !» Bon, admettons, pourquoi pas. Et après, bon bah, il y a les licences classiques, mais bon, ben... Je pense que j'ai d'autres Metroid à faire avant... Vas-y, touche-le. Oui, allez, Edin, il faut le faire 3 fois. Non? Oui? Oui, il faut le faire 3 fois, normalement. Bien.
Concentration, concentration. Oula. J'ai pas eu. Ah, trop tôt, trop haut. Allez, venez me chercher les petits là. C'est un peu chiant comme truc à faire ça. Mais je sais qu'il y a un truc à récupérer derrière. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, allez. D'accord que là je peux rien faire. Non, je peux rien faire. Allez, une troisième fois. Vas-y mon petit. Viens. Allez, vous cassez pas tous les deux n'importe où là. D'abord. Mais viens, toi, au lieu de te casser là-haut, là. Oh, puis le toboggan, c'est pas sympa. Allez. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Ça va me galérer ça. Un nouveau jeu PS1, c'est un vieux jeu Netia Rose commencé 20 ans plus tôt. Ouais, mais c'est ça, c'est un jeu Netia Rose et du coup, bah, il a pas tout ce qu'il faut quoi. Utilise la corniche en pierre pour leur sauter dessus. Bah, ouais, je sais pas, des fois ils descendent, mais. Effectivement, en attendant, il y a un paquet de jeux PS1 à découvrir quoi. Tout ce qui est nouveau jeu Dreamcast. Alors après, ça dépend parce qu'il y a. C'est quoi la boîte qui est dans le sud? Il y a un jeu de bagnole, hein, Dreamcast, qui était sorti quand même. Alors la Switch, oui, elle a des bons jeux indés, mais en gros, ils sont aussi sur PS4, quoi. Je me dis, ben... Trop. Vas-y, vas-y. Ah non, vous êtes pas cool, là. Vous êtes pas cool, les gars. Allez, descendez. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Il se cache de l'autre côté du mur, ça va pas le faire. Vas-y. Oh, c'est de la triche, il se casse en haut là. Allez, 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 allez. C'est chiant à faire ce truc là. C'est pas ce que je voulais faire. Je préfère être à la porte là, je trouve ça plus pratique ici. J'ai plus de visibilité. Limited Run, ils ont sorti la version physique de Castlevania Symphony of the Night sur PS4 à 40€. Ouais, s'il est disponible quoi. Mais Limited Run, s'ils pouvaient vendre des vidéos de 10 secondes, ils le feraient. Vas-y, vas-y. Va le faire là. J'arrive pas là où il y a l'escalier avec la corniche. Hein. La version PS1 à 200. Il y a encore 200. On est loin à 200. Bien. C'est plutôt 400. Il y en a un qui est. Non, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai vu qui est parti là? Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va pas le faire, il va falloir que j'aille enregistrer et recharger. Putain, j'étais pas loin là. Vas-y, lâche-moi. Ça c'est pas un panneau pour enregistrer. Ah merde, c'est de l'autre côté. Casse-toi, 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 casse-toi. Chier. Je voulais un petit panneau pour enregistrer là. Normalement, il y en a un au bout. Ouais. Y'a pas un panneau là? Il est au début. Faut leur cracher de les cacher les yeux. Et sauter sur le deuxième, balancer l'autre. Ah ok, bah écoute, j'y ai retourné mais.
À l'époque où j'ai acheté pas mal de rétro, il était à 200. Ah oui, non, maintenant il est beaucoup plus cher quoi. Non mais ouais, effectivement, heureusement que tous les jeux rétro sont pas à ce prix-là, hein. Sinon ça deviendrait fou. Du coup, dans l'inventaire. Que je me rappelle dans le de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce qui m'a dit ça? Ça devrait aller tout en haut. Où est-ce qu'il était cet imbécile? Il y en a un qui m'a dit. Je vais essayer. De l'autre côté. Ouais. Normalement c'est bon. J'ai réfléchi, mais là c'est quoi? C'est un Suikoden 2, je crois que j'ai vu ce week-end partir à 470 ou je sais pas combien. Les gars, ça va bien, oui. Ça va bien ou bien quoi? Est-ce qu'il y a un petit panneau là? Allez, une petite sauvegarde et on recharge. Et on y retourne. Descend. Là, panneau. Voilà, ok. La fameuse technique. Ça, j'aurais pas su. Hein, Oui. Enregistrer. Oui. C'est ce qui est dingue, ce sont la différence de prix pour le même jeu sur la console. Selon la console. Ah oui, ça, oui, t'as ça aussi. Ah, c'est clair. J'espère qu'il a bien enregistré. C'est quand j'ai atteint la centaine de jeux PS5, je voulais commencer une collecte de ma seconde console préférée. Ah oui, la Super NES, là. Je voyais des 400-500 complets que j'ai fini par laisser tomber. J'en pouvais plus de lâcher des centaines et des centaines d'euros pour des jeux qui, au final, risquent surtout de prendre la poussière. J'ai joué plein de RPG SNES dans les années 2000 par émulateur et j'aurais aimé les avoir parce que c'est des jeux que j'aime, mais au final... Ouais, après, c'est compliqué. En fait, c'est toute la différence entre joueur et collectionneur. C'est que t'as des collectionneurs, ça va être juste la beauté de l'objet, mais... C'est le truc que je trouve stupide, hein. Il y a des gens qui vont acheter le jeu, ils vont le poser sur une étagère et le jeu, ils vont y jouer sur émulateur, quoi. C'est un peu dur, quoi. Enfin, moi, c'est un peu dur à avaler, quoi. Hein. Allez, go. Non. Donc, alors, où est le passage, là? Voilà, c'est bon. Et après, je veux dire, t'achètes pas le jeu pour le mettre sur une étagère, quoi. Enfin, si tu as joué à des jeux avec émulateur, CityCraft, mais pas en te disant « Ah, j'achète ce jeu-là, c'est bon, je l'ai, je le pose sur une étagère et je vais y jouer tout de suite sur émulateur, quoi. » Le délire, c'est fou quand même, quoi. Ouais. Il y a plein de jeux que j'ai émulés étant plus jeune. Et revendu, je voudrais récupérer ou avoir. Ah oui, après. Oui, non. Oh, ça passait presque là. Moi, je sais que sur les autres plateformes, enfin les autres consoles, bon, ben, tu vois, d'avoir fait tout flashback, je me dis, ouais, bon, ça peut être sympa. C'est la console sur laquelle il était. Ils l'ont un peu. Vas-y, ça passait là. Oh, dis donc, tu me cherches là. Du coup, il descend. Le fasse vraiment bas, quoi. Après, j'affectionne pas spécialement les autres. Les autres consoles, donc du coup, j'aime bien, hein, mais du coup, ça me dérange pas d'y jouer sur émulateur. Alors, il monte ou il descend, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait une croix dessus maintenant. Dans sur lequel t'as fait une croix dessus? Ah oui. Par exemple,
Ça m'est arrivé d'acheter des jeux PS2 moins chers au lieu de les acheter sur Dreamcast. Ah oui, ça oui. Oui, alors après, c'était ça pendant un temps où on pouvait se dire, tiens, je le prenais sur PS2 ou GameCube. C'est fini, maintenant la GameCube, elle est toujours plus chère, enfin bon. Salut Black Pixel. Ah oui, le Quack Attack est plus cher à ce point-là sur Dreamcast. Ah, c'est chaud parce que en plus il doit être largement plus joli sur largement plus joli sur sur Dreamcast quoi. Bon, même, on va pas se leurrer hein. Ah oui, ok. On a compris le délire. Ok. Non. C'est chaud de sauter sur le côté. Ouais, faut lui bander les yeux. Et avec l'autre, faut... Ah, d'accord, ok. Ok, je crois que j'ai compris. Mais alors, c'est chaud, hein. Ah, donc là je saute, je vais chercher l'autre, la vache. Enfin, un truc dans le genre. Mais je suis trop haut là. Oh, la poisse. Non, j'ai compris le truc, mais c'est chaud à faire quoi. C'est Jap que le bot a pas aimé. C'est incompréhensible, mais bon. Moi je suis joueur collectionneur. Oui, bah après on est tous un peu. Niveau des œufs. J'essaye, Ricard Dada. Mais c'est chaud, j'ai peur de me faire toucher. Salut Furyoshi, merci. Code Veronica, 5€ PS2, 30€ Dreamcast. Ah oui. À GameCube c'est différent, ouais. À l'époque, c'est un bon jeu de souvenirs, même s'il casse pas. Le Quack Attack, oui, c'est un. Le Quack Attack, c'est un. D'ailleurs, c'est un. Enfin, bah, du coup, c'est un. Un sous. Ouais. Crash Bandicoot 3. Désespérez pas, j'arrive. Voilà. Viens, toi. Ah, il va revenir. C'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Viens, reviens. Oh, c'est bon, j'arrive pas. Hein. Ah. Est-ce que la sauvegarde a fait que... On recommence. On peut tuer. Ah, je suis dessus. Voilà. Alors on va y arriver là. Oui, voilà, c'est ça. Dans le Twitch. C'est cool, Flo. Ouais, c'est sympa. Bienvenue sur Twitch. Bon, ça fait un petit moment que tu faisais déjà des lives avant. Salut Tomouf. GameCube, j'ai renoncé d'acheter. Je la puce et... Bah ouais. Au pirate, tu voles Nintendo, je vole qui les vendeurs qui revendent 500€. Ouais, c'est ça. Ouais, je leur demande, moi, s'ils reversent 50% du prix de la revente à Nintendo. Tu m'étonnes. Black Pixel, je sais pas si t'es dit bonjour. Sinon, bah, salut Black Pixel. Je ne lance même pas à me racheter des anciens jeux. Non, la GameCube, c'est pas la peine, quoi. Geekfest d'Angers. Ah, Damien, faut que je regarde. Je sais plus les dates. Oui, le Quack Attack, il est sur PS1. Je l'avais lancé un peu. Bon, tu sens que c'est un peu simple. Enfin, bon. Depuis janvier, on va dire. Ah, ok, Flo. Ok, ça marche. Ah, bah, tu vois, j'avais pas forcément suivi. Je sais que tu faisais des lives. Ah, du coup, ah oui, tu faisais des lives avant. C'était plus sur YouTube.
Hein? Non? Oui, 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 c'est bon, c'est fait. Au bordel de banlieue, bon, allez. Début avril, ok. Poudre de résurrection est reçue, voilà. On va partir par là. Baton Kaitos Origin ou c'est mort, je sais pas. C'est à cause de Conquer. Oui, Sylvain, il y va à Angers, mais pour l'instant, je sais pas. Faudrait que j'aille par mes propres moyens et tout, mais je sais pas. Le tombi tomba, bah il tombe souvent, hein, je te confirme. Tombi tomba sont dans une barque, tombi tombe à l'eau. Black Pixel, non, j'ai peut-être pas raconté comment j'avais eu tombi, parce que j'ai eu le 1 et le 2 dans un même lot, mais. Oula, oula, doucement. Si je dis pas de bêtises. Kevin, je crois qu'il m'avait contacté, qui était en Vendée. Qui m'avait dit bah, il revendait ce qu'il avait sur PS1. Elle suit, dit maintenant je vais enregistrer. Et il m'envoie la liste, je fais ma liste au Père Noël, quoi, comme je lui dis. Hein, je lui fais bah, écoute, tu me dis le prix, et puis voilà. Il m'annonce le prix, je fais. Je fais ah putain, bah écoute, voilà. Déjà il y avait un jeu dans lequel, dans le lot, dans lequel il y avait. Il y avait un jeu dans le lot que je voulais absolument, qui était Soccer Kid. Je m'étais toujours dit, ce jeu-là, je le trouverai jamais, j'aurais toujours du mal. Enfin, avec le temps, j'apprends qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus compliqués à avoir, mais le Soccer Kid qui était dedans, je suis obligé, ce jeu-là, je le prends. Tant pis, si je prends que celui-là, je prends que celui-là, c'est pas grave. Et en fait, il m'a fait des prix tellement ouf que j'ai pris tout ce que je pouvais. Il y avait 50 jeux. Et on s'est retrouvé à Paris, voilà, donc c'est comme ça que j'ai récupéré. Il y avait le 1, le 2, il y avait plein de jeux, il m'a offert d'autres choses, une manette, plein de trucs, enfin un truc de dingue, quoi. Donc je le remercie encore, enfin je le remercierai jamais assez, quoi, voilà. Oui, oui, non, c'est... Après, Black Pixel, je me suis fait un peu une raison, hein. Il y a des jeux pour lesquels ça va être compliqué, je veux dire, ça va être compliqué, mais... C'est compliqué parce que je me dis, il faut que je vois comment est-ce que je peux financer l'achat de certains jeux. Alors, en partie avec. Où est-ce que je vais là? En partie avec mes propres deniers, mais je me dis, ça pourrait être sympa parfois de faire des défis, de dire, bah oui, là je sais pas, Twitch, il y a des barres et des machins, enfin, de faire des dons et des trucs, de dire, bon, bah voilà, on fait un jeu, on essaie de le finir. Mais vraiment de se placer, d'être plus sérieux, plus régulier sur les streams ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Donc, pour l'instant, voilà, il y a plein de choses que je réfléchis, j'essaye de mettre en place. C'est pas gagné pour dire bah financer l'achat des jeux, voilà. Et éventuellement, si un jour la chaîne YouTube, un jour, si elle me rapporte quelque chose, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. bah si un jour ça aide, voilà, ça met du... Oh non, pas ce passage-là. Du beurre dans les épinards, et ben peut-être que ça contribuera à l'achat des jeux, voilà. C'est un peu l'idée, hein, mais... Mario Kart, 150 boules. Ah bah oui, Titi Craft, hein, n'importe quel jeu de toute façon, maintenant, même moi, ça me paraît cher, hein, mais... Pour n'importe quel jeu. Crash Bandicoot sur le PSIO, en direct... Bon sang, après le koala Kong, le jeu a frisé au loading dégoûté. Ah mince! Ah pas cool! Pas cool le coup du freeze. Alors moi je voulais aller dans la forêt champignon. Ouais, vas-y monte. Bizarre ou est-ce que c'est un truc qui a bugué sur le... Parce que le PSIO, non, PSIO normalement il est assez réputé, ça fonctionne pas mal quoi. Par là c'est bon. Go 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 go. Sorti, oui, mais les jeux Nintendo ne baissent jamais. Mais oui, j'ai envie de répondre Mafia des rétro Nintendo plutôt. Ouais, c'est. Il était moins cher que ça, effectivement, avant le double dash. Oui, Damien, oui, sur les jeux PS1 qui me manquent, il y a quelques exclus Angleterre ou. Enfin, des fois, tu les trouves aussi en Allemagne, mais je me dis, ben. Moi, pour y jouer, il faudrait qu'il soit en anglais. Et d'ailleurs, il y a la Pixel Day, au fait. Hein. Je, 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 je,
Si vous ne l'aviez pas vu, voilà. Il faut que vous sachiez. Voilà. Pixel Day. Donc là, j'espère que je vais me trouver quelques pièces, mais... Je vous laisse imaginer, même si j'y vais avec 1000 balles, ce que je n'aurais pas, c'est j'imaginais... Hey chérie, j'ai encore des travaux à faire dans la maison. C'est pas grave si je prends 1000 balles pour aller acheter des jeux vidéo. Non, mon chéri, pas de problème. Tout va bien. Donc, non. Donc, il y a des... Des seins. Je peux pas attraper des papillons par là, tiens. Je suis pas allé par là. Donc Pixel Day, je me ferai un peu plaisir, mais... doucement. Ça restera limité, quoi. Mais t'en fais exprès, c'est pas possible. Donc, Pixel Day, j'espère bien trouver quelques pièces. Hein, pour... Non, par là, on s'en fout de par là. Quelques pièces pour... compléter un peu le full set, mais bon, ne fais pas d'illusions, hein, ça sera pas encore tout de suite que je le finirai, quoi. Il disait qu'il y avait un cochon, je sais pas quoi. Non, mais t'en fais exprès, si, hein, c'est pas possible. Pourquoi il disait qu'il y avait un cochon, je sais pas quoi, là. Pas compris. Pixel Day, et je suis en vacances là pour aider mon meilleur ami pour son futur logement. Ah oui. Ouais, 1000 euros, deux jeux, voilà, tu te dis, bon, c'est compliqué, quoi. On n'a qu'une vie, ma chérie, oui, tu m'étonnes. Salut Julien, ah, je t'ai pas vu tout à l'heure. Personne merveilleuse, ma femme, non, ouais. Attends, tiens, elle vient de m'envoyer un message pour me dire, c'est fini, tu vas pas à la Pixel Day, en fait. Non, ça va, c'est pas ça. Je vérifie quand même, hein. Bon, donnez-moi une petite minute, j'ai mes gamins qui font le bazar à côté. Je reviens dans une minute. J'arrive, les loulous. Et voilà. Ah, faites des gosses, qui disait. Non, voilà, désolé. Bon, ouais, du coup, comme on dit chez moi, j'en ai attrapé un pour taper sur l'autre. Bon, alors,
Donc, de mémoire, dans la démo, tu pouvais aller au-dessus des arbres. 480 points utilisés. Verse de l'eau sur les flammes. Oh, 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 merci Ricadada. Désolé, bon voilà, du coup, j'ai mes gamins qui faisaient un peu le bazar. J'ai le cochon là. Non. Arrêtez les cochons là, cassez-vous. Alors, de l'eau. Qu'est-ce que j'en ai là? Geekfest 2 et 3 avril. Alors, je vais voir, je sais pas parce que j'ai un seau. Impossible de l'utiliser ici. Enfin, j'ai du vin. J'ai un seau, est-ce qu'il a de l'eau dedans? Oh, le cochon. Comme il y a déjà pas mal de conventions qui commencent à se profiler là. Oh, il faudrait que je le remplisse d'eau. Imagine. La liste des jeux Pocket Station. Attends, c'est quoi? J'ai pas vu. La liste des jeux PS1 qui manque. 0% full set. Ah, c'est cool, merci d'avoir partagé le. Oui, plus que 50. Merci beaucoup, Titicraft. Sur console. Passe. Attends, la Pocket Station fonctionne avec les PS1 françaises. Oui, après, il n'y a pas de jeu compatible par contre. Ça sera comme une carte mémoire quoi. L'eau, c'est les gouttes qui tombent. Il y avait des gouttes qui tombaient. Est-ce que tu avais des gouttes qui tombaient? Où est-ce qu'on avait des gouttes qui tombaient? Des gouttes qui tombent. Tomber. Ah. La plupart des jeux PAL ont une fonctionnalité Pocket Station comme Ridge Racer Type 4. Ah bon? Ah bah avec plaisir, Flo. Plein de jeux chers. Oui, je sais, Titicraft. Après, c'est pas des... Alors, il y en a quelques-uns, c'est des jeux de merde, on est d'accord. Mais dans le lot, je veux dire, il y a des jeux qui sont assez chers. Oh, allez, il y en a pour certains, tu mets 50 balles, 60, 70 balles. Ouais, 50 balles. Il y en a beaucoup à 50 balles. Il y en a à 30, 35, 40, on va dire. Mais c'est des prix auxquels je les vois tout le temps. Du coup, ben, tu dis, ben, l'annonce, elle est là, il bouge pas le truc. Ben, pourquoi me forcer? Les gouttes d'eau, c'était où? Là, y a rien. Ah oui, là, ça y est, ça me revient, dedans, dans un autre niveau. Là, oui, là, ici, oui. Bien vu. Mais alors, du coup, là, tu penses que je peux utiliser mon... Mon pseudo, là? Non. Elle est où la goutte? Ouais. Elle est où là? Non. Ah oui. Là. Non. Hop, hop, une goutte là. Oui, j'ai de l'eau. Seau plein à un tiers de reçu. D'accord. Attends encore là. Ça m'étonnerait. Ça me semble trop facile. Ça m'aurait étonné. Où les autres gouttes d'eau? Aïe 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 gamba. Petite musique qui rentre dans la tête. PS1 modé PSIO et je mets ma pocket et même sur PS2 ça passe. Oui. Mais tu t'insères comme d'une carte mémoire. Tu t'insères pas comme il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de jeu avec, hein, je veux dire, dedans.
Ça marche, Damien. Bon courage pour le taf demain. Ouais. Je te redirai pour Geekfest. Je suis pas sûr. Je regarde s'il n'y a pas déjà autre chose avec. Déjà ce week-end-là. Mmh. Oui, oui. Mmh. Mais là, tu prends les plus chers, Titicraft. Mais après, bon, les Megaman, ça... Mmh. Par rapport aux 3 que tu cites avant, ça va. On va dire, ça va. Mais je les cherche en français. Quand c'est le cas. Mais après, ouais, ça va être chaud pour certains, mais... Bah après, pas le choix, quoi. Mais... si c'était facile, ça serait pas drôle. Donc en même temps, vu de toute façon, c'est ce que disait Damien tout à l'heure, avant qu'il y ait des nouveaux jeux, par exemple, qui sortent sur PS1, j'en ai un paquet à tester, à jouer. C'est un peu le même délire pour acheter d'autres dans la collection. Bon, j'ai jamais dit que je finirais en 4 ou 5 ans. Et après, ben, on verra. PSR 2032. Ah oui, pour des mini-jeux comme Pocket Mumu ou Crash Bandicoot 3 version Jap. J'avais pas vu que Crash 3 était compatible avec la Pocket Station. Il y a la liste des jeux. Bonne nuit, Damien. Merci beaucoup, en tout cas. Un truc avec le Chocobo pour la Pocket Station. Alors, il y a un truc aussi sur Pocket Station. Salut, Elmorel. Je t'ai peut-être pas vu tout à l'heure. Oui, la version collector. C'est ce que je disais, mais... La version collector, pendant un temps, tu l'as trouvée à 350-400. Là, elle est en train de passer à 700. Tu fais, ouais... On verra. Elles sont où, les autres gouttes? Là, t'es allé de l'autre côté. Là. Allez, vas-y. Pardon. Alors, et la dernière goutte, elle va être où? Oh. Là. Ouais. Vas-y. Vas-y. Elle ne revient pas. Oui. Oh. Sodo reçu. Ok, cool. Allez, on y va. Ouais, on y va. Oui, c'est ça. Le Tamagotchi. La Pocket Station, c'est un peu... Jean-Marc, j'en ai un pas loin. Je pourrais aller en chercher un si vous voulez vraiment voir à quoi ça ressemble. Mais c'est la taille d'une carte mémoire avec un petit écran. Et en fait, c'est typiquement repris du VMU, quoi. Enfin, sur la Dreamcast. Et doucement, t'excites pas. Alors, on va se redébarrasser de tous les cochons. Il y en a qui arrivent toutes les 5 secondes, là. Et donc la Pocket Station, pour moi... Ouais. Oh, cette animation de folie! Range le saut. Ignam, cuite reçue. Aucune idée de ce que c'est que ce truc-là. Non. Casse-toi. Vas-y. Je termine ça et je suis à vous dans une seconde. Faut juste un petit panneau, j'enregistre et je recharge. Là, il y a un panneau par là, voilà. Vas-y, voilà. Voilà, donc je disais oui, cette fameuse Pocket Station, ça fonctionne comme on disait avec les jeux PAL, mais en gros c'est juste que ça va fonctionner comme...
une carte mémoire, mais il n'y a pas de fonctionnalité avec des jeux européens. Parce que sinon, après, pour les jeux japonais, c'était apprendre de l'anglais, je crois. Il y avait un espèce de truc comme ça. Il y a des petits symboles hein, qui apparaissent sur le truc. Une espèce de mini-jeu. Il y avait un... Oui. Et... vas-y. Vas-y, voilà. Et après, il n'y a pas de... C'est pas des vrais jeux dedans, c'est des petites choses à faire en plus, quoi. Un charge et vas-y. Oui, voilà, c'est bon. De 40 jeux compatibles sur Pocket Station. Oui, c'est ça, hein. C'est ça, Flo. Oui, de toute façon, ça sert de carte mémoire et ça se met à l'emplacement carte mémoire. Hein. Du Chocobo de FF8, donc encore moins le Pocket Station étant gamin. Je comprenais rien. Je savais pas ce que c'était... Fais gaffe à ta vie, save puis recharge. Ouais, bah tu vois, voilà. Voilà, je l'ai, ce que j'ai fait. Elmorel, non, après, peut-être pas Tombi 2, parce qu'il y a d'autres, pas mal d'autres jeux à faire, mais qu'est-ce qu'il y a Alors, une fois que Men in Black sera fini, il y aura un autre film, une autre adaptation. Est-ce que ce sera... comment dire, il y a Xena, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien... J'aimerais bien voir comment ça s'appelle, la momie qui avait l'air sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Blade dont j'ai parlé dans une vidéo. En l'histoire de la forêt champignon, il y en a qu'une, on est d'accord. Donc il y a ça. Tombi 2, ce sera pas tout de suite parce qu'il y a pas mal d'autres jeux auxquels j'ai pensé. Okay. Donc ça c'est pour la partie pour les jeux un peu loufoques, enfin les adaptations. Donc le cinquième élément, peut-être pas tout de suite. Cette inertie. Il est où? Tu vois qu'est-ce qu'on a? Ok. Décidément. Il n'y en a plus là. Pourquoi ils disent qu'il y a un cochon dans la forêt, je sais pas quoi. Hein. Pourquoi la blague? Pas compris. Je sais, hein, la vie elle diminue. Mais... Oh mais vas-y, monte plus dessus. Ça me patience, priez pour lui. Forêt des sans-fleurs, je suis pas dans la forêt champignon, non? Je aussi. Xena, j'ai dû tester il y a longtemps. Alors les races moquettes, non, peut-être pas, ou... C'est un risque à ce que je lance le jeu et que je me dise bon bah je vais jusqu'au bout hein. C'est un peu la crainte quoi. Non je pensais, je disais il y avait la momie, il y avait ah il y a Alien la résurrection, mais ça par exemple ce serait après Medal of Honor et après Tombi, je sais pas. Assez donné, mais oui j'ai pas déjà fait. Oh vas-y, c'est pas ça que je voulais faire. Allez vas-y, ressort. Charger, oui. Je suis à moitié ce que tu fais. Oh, t'inquiète pas, Titi Craft. J'avance, mais je pensais que j'étais dans la forêt champignon. Bon, c'est bizarre. Oui, non, il est pas ouf. Xena, il est pas ouf. Comme Sabrina, Sabrina l'aventure, la sorcière là, c'est pas terrible, terrible. Sabrina, j'ai pas trop accroché. Parce que c'est repris du dessin animé plutôt que de la série. Bon, en même temps, si la série avait été portée sur PS1, ça aurait pas ressemblé à grand chose d'autre. Mais bon, quand t'es gosse, le niveau avec le cyclope m'avait marqué. Donc Xena, ah ouais, ah tu vois, non, j'ai pas poussé aussi loin que ça pour me rappeler des niveaux. Si, il y a une carte, mais je me suis trompé, je pense, dans l'endroit. Dès que tu attaques la boîte, 100€. Pour quel truc, Eureka Dada? Ça vaut cher ou tout le monde s'en fout de ces Pocket Station? Ah non,
Oh non, 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 faut... c'est un accessoire japonais. Donc ça se commande au Japon, Henri Kadada. C'est un truc à... Allez, à 100 yens, tu le trouves, quoi. Tu connais les commandes au Japon, Henri Kadada, non? Tu fais pas des... Tu en fais pas, toi? Non, non, c'est un truc... 100 euros, c'est sur eBay si tu le veux tout de suite, sinon Yahoo Auction. Petit paquet, ça doit être livrable assez rapidement, mais... D'après Conquer, c'est un jeu ultra facile. Sabrina ou Xena? Ah non, ou les Razmoket. Oui, j'ai vu dans sa vidéo, il en parlait. Mais les Razmoket font leur cinéma, j'ai dû jouer un petit peu à celui-là. Ouais, c'est des jeux courts, ouais, mais... Pas direct Japon. Ok, Rikadada, non, effectivement, si tu prends sur eBay... Dans les Super Potatoes, ouais... Alors peut-être maintenant, il y en a moins. A priori, c'est plus compliqué maintenant au Japon. Non, mais t'en fais exprès, si c'est pas possible. Au Japon, ça a l'air d'être un peu compliqué maintenant. Hein. Quelqu'un qui est sur place disait dans les... Non, mais... Allez-y, faites comme chez vous, les gars. J'ai pas compris le délire du cochon dans la forêt, là. Pourquoi il y a un 10? Cette inertie qui est absolument horrible. Bon. Tu trouves dans console complète à pas cher au Japon. Oui. Oui, ça se trouve assez facilement normalement. Parce que c'est, justement, c'est un article vendu que là-bas. Ça s'est bien vendu, mais. Ah oui, il y a 3 ans au Super Potatoes d'Osaka, non. Maintenant, c'est fini en fait. Non, non, c'est compliqué maintenant. Soit il reste que des trucs en mauvais état. Enfin, beaucoup de choses en mauvais état maintenant. Alors, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi il y a un 10 sur le cochon? C'est quoi le truc? Non, pas ça. Au-dessus des arbres, tu me mets le doute. J'ai un gros doute là. Oh là 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 là, mais c'est un carnage là. J'ai dû y aller. Ah, c'était pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais. État. Ah, grâce à ma connaissance, mais depuis leur taxe, je veux plus qu'elle paye la taxe Jap. Ah oui. Elle est dépassée par là. Bah, compliqué pour elle en ce moment. Ouais, c'est compliqué le Japon maintenant. Next 0. Expérience 10. Ah ok, bon bah donc non, c'est bon. Pour les cochons, c'est bon. Bref. Certains niveaux étaient même flippants, genre tu. Quand t'es enfermé dans le centre commercial de nuit et que t'as un automate géant qui te poursuit, tu l'entends quand il se rapproche. Boum boum. Ah ouais. Ouais, faut être robot clown qui te poursuit. C'était un peu. Enfin. Tu regardes le truc un peu maintenant, les Razmoket, c'est un peu creepy, mais bon. C'est les Razmoket, quoi. Je vais essayer hein, cette histoire de. Oula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 . Mais. Éclate-le, là. Il me semble que j'y suis allé au-dessus des arbres. J'ai dû y aller, mais... Non. J'arrive pas à l'attraper. Pourquoi t'arrives pas à l'attraper celle-là? Bah vas-y. Non mais je rêve. Ouh là.
la jouabilité elle est quand même un peu aux fraises. Hein. C'est la faute à la manette. Et d'accord. Oh là 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 là. Oui. Là, là. Ah non, je l'ai pas eu là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. Bien vu, merci. Du coup, il y a bien un truc là-haut, mais... ben, c'est pas par là. J'essaye des trucs, hein. Oui, ça y est, je l'ai. Oh bordel. Bon, c'est tout, on peut pas aller ailleurs. Vine. Non mais, regardez-moi ce bordel. Comment je fais pour l'avoir, hein? Bon, j'imagine que c'était tout, il y avait que ça, hein. Bon. Du coup, après, je sais pas ce qu'il y a à faire. Me fait une hooper. Le gameplay il est à chier. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est une institution hooper. Hein. Oula. Alors. Bon, du coup, on a bien éteint l'eau. Dans le village, je sais pas s'il restait des trucs à faire. Voilà, je regarde la. La soluce vite fait là. Attendez. On va en profiter. Allez. On va mettre ça en pause. On va repasser. Voilà. T'as une carte pour savoir par où aller. Oui, mais je sais pas ce que je dois faire. C'est ça la blague en fait. Et en fait, j'ai la soluce complète. Alors, finissez pas le jeu, machin. Avant d'aller au village caché, car vous ne pourriez pas faire la maison à remettre. Sur 9. Pas, surtout ne finissez pas le jeu de cache-cache avec Yann. Ok, faut pas finir le jeu de cache-cache. Ne prenez pas la tomate bleue près du cochon de la forêt. Bon, où il débute. Au tout début, il vous faut lancer le cochon dessus pour obtenir une mission. Je sais pas si je l'ai fait ça. Ne cassez pas le baril pointu sur le ponton branlant. Il sert pour une mission. Vous devez juste retirer ses pointes. Ok, même s'il semble manquer des missions, 66-8. Le compte est apparemment bon vu que. Alors, qu'est-ce que, par exemple, on va regarder dans ce qui nous manque là. Fait. On va regarder. Bracelet de grand-père. Alors, par exemple, bracelet de grand-père. Trouver le bracelet que les cochons coma ont volé. Ah, pour l'avoir, faut juste finir le jeu. Super. Bonjour l'astuce quoi. Le mont Phénix. C'est ça que je comprends pas. Je croyais que j'y étais. Allez, attendez, du coup, 1, 2, 1, donc c'est sur 14, donc 28, oui, j'ai perdu, 1 sur 7, 2, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que j'ai, bon, on va chercher le mont Phénix. Alors, vers le mont Phénix, non. Petit. Mon phénix, alors, enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac, découvrir, après avoir obtenu le sac de cochon rouge. Battez le vilain cochon rouge, à place de la charité. Mmh. Oh, salut Charlotte. Charlotte. Mais quelle est cette folie? J'étais en mode, je triche, je vais voir la soluce. Attendez parce que j'ai loupé. J'ai tout loupé. Salut Loulou. Qu'est-ce qui a fait cette folie? Edouard être de lancer un raid. Oh Edouard, merci. Merci beaucoup, Ed. Bah, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Installez-vous. Posez. On se pose. Bah ça va le loup, merci. Salut l'omion. Mais quelle est cette folie? Merci beaucoup, Ed. Incroyable. Bon, bah c'est... Bah ça fait super plaisir. Je savais pas que tu liveais. Mais oui, Ed, oui, je... Le lundi soir, du coup, c'est en même temps que beaucoup de monde. Mais... Bienvenue à tous. Et en plus, alors...
Alors, bon, ça reste de la PS1. Voilà, donc très, très bien, hein, j'en profite et je vais basculer, je reprends le jeu. Hein. On est sur Tombi, ça alterne hein, entre du bon, du moins bon, du très très moins bon, parce que voilà, mais oui, c'est... Oui, je serai à la pixel. Je serai à la pixel, j'espère toi aussi, j'ai pas vu tout encore, c'est tout frais, tout chaud de dimanche. Donc j'espère que tu y seras aussi. Ça serait bien bien cool. Ça va être quelque chose depuis le temps qu'on attend le retour de la Pixel Day avec Charlotte. Ah, génial. Ah, ça va faire trop plaisir de vous voir. Génial. Tetomu, vous suis désormais. Merci beaucoup, Tetomu. Alors, c'est pareil, hein, je débute hein, sur Twitch. Ça fait un petit moment que j'y suis, mais je c'est pas. Il manque des trucs, genre quand vous allez follow, il manque peut-être des notifs ou j'en sais rien. Voilà. Je fais ça, c'est en mode détente, voilà. Mais. Pas beaucoup, beaucoup de lundi soir, surtout le lundi soir, voilà. Alors, bon, bah du coup on est sur Tombi. Si vous connaissez pas Tombi, bah, laissez-moi vous présenter Tombi. Donc j'ai dit, attendez, parce que du coup, qui est un des jeux qui est pas donné, hein, voilà. Mais c'est ouf, franchement. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour le raid énorme. Donc je suis pas encore rompu au classique, au classique de Twitch. Alors, il y a des choses que je maîtrise pas encore. Hein. Je suis capoute, je vais dodo. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bah merci, au plaisir. Et continue de nous parler de la PSA, hein, surtout Ed. Moi voilà, je rate pas d'épisode. Voilà, Tekken 3, voilà, incontournable, il y a plein de jeux. Hein. Donc voilà, d'où le lundi soir, c'est PS1. Hein. Oui, alors ceux qui ne sauraient pas, je joue sur une vraie PS1. Voilà, c'est ma bonne vieille manette. Je collectionne les jeux PS1. Je me présente un peu, j'en profite. Hein. Donc je joue sur une vraie PS1 avec ma télé cathodique en face. Et à côté, je vous renvoie l'image vers l'ordi. Vers Twitch du mieux que je peux, voilà. La PS1, c'est la vie, voilà. J'essaye, voilà. Mais alors, ça, je vous dis, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, go pour continuer. Mais par contre, bah, du coup, je joue. Il y a pas de triche. Il y a pas de safe state. Voilà, c'est à l'ancienne. Donc, des fois, bah, je tourne un peu en rond. Mais par contre, c'est à l'image des From Software aujourd'hui où les gens disent, ouais, mais c'est bien de souffrir. Comme ça, quand tu trouves un truc, quand tu passes un niveau, t'es fier du niveau que t'as passé. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Oui, plus un, the best, pas les prix, hein, les prix des jeux. Malheureusement, les prix des jeux, c'est un peu compliqué, quoi. On va dire. Ah, ça, c'est bien. Ma veine. Les prix des jeux sont un petit peu partis en cacahuète là depuis un petit moment. Et oui. Mais bon, basse. Après, je le dis toujours, et puis il y a d'autres manières de. Bon, on y va, peur de rien. Il y a d'autres manières de jouer. Enfin, il n'y a jamais eu autant de solutions pour jouer. Donc bon. Petite Dragon, non, j'avais la démo de ce jeu, mais oui, plein plein de monde connaît ce jeu via la démo surtout. Et en fait, même moi, j'avais surtout bah, découvert le jeu via la démo. Je vais utiliser un truc via la démo et le jeu est beaucoup plus, ah, ça paraît logique, il est beaucoup plus fouillé qu'on peut l'imaginer. Déjà, il y a un menu, ce que j'avais jamais vu dans la démo. Et quand on va dans le menu, bah en fait, il y a des objets. Alors là, j'ai 8 pages d'objets. Alors je sais pas s'il y en aura plus après. Non, non, bah, 3 sur 4. Il y a 8 pages d'objets, des objets qu'on trouve. Il y a plus une espèce de côté. Tidycraft, il est là, il va rire si je dis que ça a un côté RPG, mais. On passe sur FF8. Ça viendra, ça viendra, ça viendra. Mais en gros, c'est des trucs que moi, j'avais jamais vu dans le jeu. Pour moi, Tombi, c'est un jeu. C'est un jeu de plateforme, c'est un peu plus fouillé que ça. Donc là, il y a des objets. Il y a 100. C'est quoi? C'est 100... 140 ou 118, je sais plus le nombre d'objectifs à faire. C'est là que ça devient un peu compliqué avec le jeu. Parce que
Là, par exemple, mon phénix enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac. C'est pas toujours très clair. Voilà. Après, état, bon, ça, c'est mon level. Ah non, j'ai loupé le truc. Et je voulais vous montrer la carte. Voilà. Et je savais même pas qu'il y avait une carte. Voilà. Chut, tu vas aller faire fuir un RPG. Donc, je savais pas. Il y a une... Non, voilà, la carte. Voilà. Il y a bien une carte. Ce que je ne savais pas, et j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça dans la démo, moi. Donc le mont, voilà, je voulais aller voir le mont Phoenix, nid du Phoenix. Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Je croyais que je l'avais fait ce truc là. Donc en fait, je l'ai lancé un peu au départ en me disant, bon, j'ai le jeu, je l'ai depuis un moment, c'est dommage de pas y jouer vu le prix auquel il est en ce moment, et donc je l'ai lancé un peu. On m'avait demandé depuis un moment de le lancer. Oui, bon, on va se faire une petite partie. Puis d'une partie en une partie, ben, on se retrouve en avance sur le jeu. Donc, par contre, dans mes objets, je vais utiliser un truc pour aller... donc là, c'est le Mont Phoenix. J'ai pas l'histoire du chien pour voyager, là. Je l'ai plus, je comprends pas pourquoi. Alors, village... Non, Mont Phoenix... Nid du Phoenix. Pour moi, c'est ça. Une belle carte en 3D, et puis il y a des cinématiques sorties en 97 comme FF7. Je comprends pas pourquoi il est passé inaperçu. Ben oui, oui, Tombi FF7, t'as vite fait le. Vite fait la comparaison, hein. Allez, on va enregistrer. Même si le jeu Tombi est assez long. Il n'y a pas un scénario, ça vaut pas du tout un FF7. Fait que ce soit complet comme jeu, ça donne plus d'impression d'un Metroidvania-like. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Petite Dragon. Parce que clairement, on avance dans les niveaux, il faut revenir pour faire certains trucs, quoi. Second degré, Cyril, doit être l'artiste. Attends, j'ai... Second degré. Non, si, non. Une belle carte 3D. Non, mais une belle carte en 3D. Puis il y a des cinématiques. Sorti en 97 comme FF7. Alors, après, il y a des cinématiques en dessin animé. Elles sont pas vilaines. C'est pas vilain comme truc. Mais, évidemment. Salut, Greg. Ah, bah, t'arrives vachement tard. Quelle heure elle est? Ah oui, 22h47. Non. Non, ça va. On a parlé un peu au début, je prépare pas mal, alors choisir un bloc, mais c'est bon, on a écrasé. Qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos en ce moment, qu'on bosse pas mal sur Gruchet, la Gruchet Geek Convention, prochaine expo. Du coup, ouais, ok, 6, bon, je vais en profiter, je vais recharger, puisqu'on est devant, hein, après tout, on va en profiter. Alors après, Tombi, il n'est pas passé inaperçu, on y a joué à la démo. Et après, voilà. C'est pas... Ça tient pas... Enfin, après, qui n'aime pas... pour ceux qui n'aiment pas les... Comment dire, les RPG, voilà. Je dirais, tiens, oh... Comment ça s'appelle? Je descends. Un jeu de plateforme. Non. Je peux y monter, là. Oui, je peux y monter. Alors, pourquoi est-ce que... Joyau souffle reçu. Ok, donc j'ai fait un truc, je l'ai même pas récupéré. Je peux y monter dessus là, non? On peut faire un truc normalement. C'est tout? Il y a un truc là. Descends. Ok. Descends. Approche-toi. Ah. Toujours un peu de mal. Hein. Pourquoi je sens que j'ai perdu une vie? Là, il n'y a rien. En bas, ok, on va aller à gauche. Bonne soirée. Ça marche, Flo. Merci. Bah écoute, à très vite. On se reparle de Ridge Racer Type 4, comme on a dit. Et moi, je les mets au four. Ça marche. Tu prépares des pâtisseries. Alors, c'est pas des pâtisseries. Là-dedans, il y avait des trucs encore à récupérer, mais il me manque des clés.
Bienvenue au nouveau. Ouais. Fuyez pauvre fou, une fois que tu joues, vous regardez, vous avez envie de jouer au jeu. Fuyez. Alors, soit jouer au jeu ou... Non, pas cette grotte, on est d'accord. Bah oui, je l'ai tué, mais il y a un autre... En fait, il y a un autre cochon. C'est ça que je comprends pas. Marqué. Après avoir obtenu le sac de cochon rouge, je l'ai ou je l'ai pas? Non, j'ai... Ah oui, j'ai bien sauvegardé devant le truc. Le sac... Alors, le sac de cochon rouge, je l'ai. Battez le vilain cochon rouge à place de la charité. Ah, je suis d'accord, je suis pas au bon endroit. Alors, en place de la charité... Ne quittez pas, vous avez demandé la suite du jeu. Alors, bah là, en fait, cette salle-là, c'est pas galère si j'avance vers la gauche, normalement. Place de la charité, c'est quoi ce... Alors, par là, mon phénix... Forêt... Elle est là, la forêt champignon. Alors, j'étais où tout à l'heure? Pourquoi je croyais que j'étais dans la forêt champignon? Ok, tout à l'heure, j'étais dans la forêt des sans-fleurs. D'accord, j'étais pas au bon endroit. Place de la charité. Village Bacchus, manoir hanté. Alors, en plus, c'est blanc sur blanc, on voit rien. Aile est du manoir, aile nord, champignon. Ça, je reviens pas d'avoir un raid de Edward. je suis en train de me dire, mais c'est complètement ouf quoi. Voilà, c'est vraiment cool. Place de la charité, c'est là. Donc en même temps, je pourrais, si je repars, je pourrais aller. Je suis sur mon petit nuage, quoi. Bon. Ça marche. Par contre, faut que je pense revenir sur ton Discord. Mais bon, au pire, on se capte via Facebook. Oui, ça marche, Flo, y a pas de souci. Un cochon dans cette grotte. Et les coffres qui restent, je crois... Ouais, on peut pas les ouvrir. Non, je te confirme, Titi Craft. Sauvegarder après avoir récupéré le joyau. Oui, t'aurais bien raison. Ah, mais c'est cool. Ah, bah, le loup... Le loup, c'est pareil... La dernière fois, il a débarqué, voilà, il était tout plein, c'était un truc de folie aussi, quoi. Professeur Edwards. Ah, c'est cool, bah franchement, merci, bah merci le loup, bah merci le loup, merci à tous, enfin voilà. Évidemment, écraser les données, oui, je veux écraser les données, voilà. Mais j'ai vraiment hâte d'être à la Pixel Desk. Je sais pas si le loup sera là aussi à la Pixel, je sais pas s'il est encore là sur le live. Mais ça serait énorme. Il y avait Gunhead TV la dernière fois, il y avait plein de monde, et c'est, en fait, je sais qu'il y avait des gens qui disaient, ah, je suis pas invité, là. J'avais dit non, mais la Pixel avant de, oh les, hop là, ça reste un endroit incroyable pour rencontrer, ah tiens, plein de gens. Si tu le trouves, dis-le moi, d'accord? Oui, alors oui, quoi? Je l'ai peut-être trouvé, mais il faudrait que je sache quoi. Eh ben, je sais plus ce qu'il m'a demandé. Bah, tant pis. Et en gros, la Pixel, il y a plein de gens même qui viennent comme ça en visiteur. Et franchement... Ah, même les pics qui font bobo, là. Donc oui, c'est bon. Voilà. Le loup, il sera pas là. Ah mince. Ah, c'est la convention de l'amour. Je peux pas te téléporter comme tout à l'heure. Je me suis dit peut-être qu'en cours de route, je vais retrouver d'autres trucs que j'avais à faire. Il y a quelques mois, je me suis bouffé ces vidéos. Ah, t'as bien raison, Titi Craft. Bah, attends, t'en fais exprès. Ah d'accord, je sors à gauche, mais en fait, ça me fait sortir tout droit. J'avais pas vu. J'ai bien aimé aussi. Bah tiens, on parlait du Nintendo Direct tout à l'heure. Voilà, c'est pareil, il a parlé des derniers jeux, toujours avec beaucoup de passion, et que voilà, je trouve ça cool. Et par contre, j'aimerais bien le rencontrer un jour, je sais pas s'il est là ou pas, mais qu'on puisse un jour, je sais pas comment il a fait pour avoir Richard Darbois. Alors, on est où là? Et bon, je suis. La map, voilà.
dans une de ses vidéos et que les, c'était sur le jeu de chez comment dire le jeu de chez mince, le studio français Twin Dragons, je crois que c'est ça, c'était Twin Dragons. Alors comment je fais pour sortir du Mont Phoenix et aller vers la forêt champignon? Mais la forêt champignon, je la connais. C'est là où j'ai eu les deux monstres. Hein? Si. Forêt des nains. Aïe, c'est compliqué. Dans la grotte rouge. J'ai aperçu un coffre tout à l'heure. Tu ne l'ouvres pas. Non, j'ai pas les bonnes clés. Il me manque des clés. Ouais, j'imagine, Charlotte, il est... c'est clair. Rien que le... Voilà, dans le peu que j'ai pu le voir dans ces vidéos, on a pu discuter un petit peu aussi sur Messenger. Voilà. Alors, la Pixel Day, c'est en Belgique, mais c'est à côté de Charleroi. C'est à Esoprel, c'est à, allez, on va dire à 20 minutes de Charleroi. Et Charleroi, de la frontière à côté de Valenciennes. Voilà, Valenciennes-Charleroi. Je sais même pas s'il faut une heure. C'est vraiment très proche de la frontière, on va dire, française. Et en fait, de la Normandie, c'est assez facile. Même de Paris, enfin, il faut aller 4 petites heures. Ça se fait tranquille, quoi. Franchement. Ouais. Et voilà, ça va être mortel. Ça va être mortel. Voilà. Et on attendait ça depuis un moment, et c'est vrai qu'à cause du Covid, c'était compliqué, bah, à la fois pour tout le monde, hein, pour eux à organiser et tout. Et là, voilà, on a eu la news dimanche, voilà. Voilà, c'est tout sauté au plafond. Oh, 3h50, on va dire. Toi, c'est un petit peu... Oui, de Bretagne, c'est un peu plus loin, effectivement. Mais c'est un petit peu plus loin. Normandie, ça va, ça le fait. Normandie, Paris, c'est vraiment jouable. Donc du coup, si je repars... C'est ça que... La forêt champignon, c'est ce truc-là. Je suis un peu perdu, mais bon... Je vous laisse, j'ai une super connexion ce soir. Bon stream, plaisir de revenir voir ce que tu fais. Merci beaucoup, Tite Dragon, avec plaisir. A bientôt, bah bonne nuit, bonne soirée alors. Belgique, ça me ferait 5 heures de route. Non, ça c'est le village. Mais ça manque, enfin ça manquait tous ces événements. C'est, pour moi, ça. Par là, il n'y a rien. Ah oui, pardon. Voilà. Ça manque tous ces événements parce que c'est quelque chose qui... Enfin, moi, je dis toujours, ça participe à une espèce de dynamique, tout. Ça, quand on fait des vidéos tout seul dans son coin, souvent, on doute, on se dit, ah, est-ce que ça va marcher, pas marcher. Non, pas par là. Si, là-haut. On a toujours un peu des doutes sur ce qu'on fait, et en fait, là, ça c'est la forêt champignon. Et en fait, de voir des vrais gens, ben, ça rebooste, ça remet dans le jus. Enfin voilà. Donc, c'est ça qui m'a intrigué. Salut VT Calan! J'ai fait un Japan Expo dans ma vie, genre juste le week-end. Ah oui, non, mais Japan Expo, c'est un truc... Alors, c'est un truc énorme, mais c'est pareil, ça se prépare. Des conventions, perso, je suis pas un habitué des conventions. Ah, y a pas besoin d'être habitué, parfois, il suffit d'en faire une seule dans l'année, hein, ça suffit. Vivant la fin de tout ça. Oui, bientôt, allez, 15 mars. 15 mars, ce sera déjà bien allégé. Ça m'intéresse pas de faire ce genre de choses seul. Alors après, ça dépend, il y a des fois, il y a des programmes à suivre. Alors, ne quittez pas, je voudrais vérifier la solution, je comprends pas. Donc ça, ok. Et pourquoi est-ce que j'avais parlé de la forêt champignon? Ah, non, c'est ça. J'avais un truc dans les objectifs, on est d'accord, je dis pas de bêtises. Dans ce que j'ai à faire... on est bien d'accord qu'il y a un truc... Enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac, d'accord. Sac du cochon sous-marin, la porte du voleur, sac du cochon jungle, creuse comme une taupe, forêt aux 100 fleurs. Mais ça, on a déjà fait. Enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac. Mais j'ai pas de... Parce que pour l'enfermer, il y a une grotte en général, donc... Fontaine cassée, ça, on devrait pouvoir le faire. Ranime les statues. Il y avait une histoire avec de l'eau, je crois, non?
Bébé pleurnicheur. Non, cache-cache. Joue à cache-cache. Donc ça, non, il faut pas le faire. Quand le vent se calme, papillon feuille, alimente carburant. Pourquoi est-ce que je suis dans la forêt champignon? Some cheese, s'il te plaît. Rassemble 10 tranches de fromage. Hein? Allez, d'accord, j'avais du fromage. Ah, ok. C'est lui qui demande du fromage. J'en ai combien? Ah, c'est un objet. Fromage, j'en ai que 3. Wow. Je suis pas prêt à la finir, celle-là. Covid-19 S Pro Plus arrive. Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. À 100 moins entre 6h30 et 7h de voyage pour moi pour aller à la Pixel Day. Ah oui, alors la Pixel Day, par contre, faut. Alors, je disais, voilà, par exemple, Japan Expo, y a un vrai programme qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Merci beaucoup, Charlotte. Bah écoute, bonne nuit et on se voit à la Pixel avec grand plaisir. Ah, ça va être cool. Énorme. Bonne nuit, merci beaucoup. Dans le sud de notre bonne vieille France. Ah oui, 7h, ça fait loin. Ben non, regarde, El Morel disait de la Bretagne, 8h, quoi. Mais bonne soirée, bonne nuit. Ça marche, El Morel, bonne nuit aussi. Donc je disais, en fait, chaque convention a un peu ses spécificités. Japan Expo, il y a des conférences qu'on n'a pas forcément conscience. Il y a des concerts. Alors vous allez me dire, bah, je vais pas à Japan Expo pour aller voir un concert. Bah oui, mais si, justement. Beaucoup disent, bah oui, mais c'est que des commerçants, c'est une espèce de grand marché et tout. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors de ce qui est la partie visible de l'iceberg, j'ai presque envie de dire. Il y a vraiment des conférences dans des petites salles. Il y a des dédicaces, ça c'est parfois un peu compliqué. Mais je dis, voilà, des conférences, des concerts. Il y a plein de choses que moi, même moi, ça fait des années que je vais à Japan Expo, que j'ai jamais pris le temps de faire, alors que pourtant il y a des trucs absolument incroyables à faire, quoi. Et après, par exemple, la Pixel Day, la différence, c'est que c'est un peu comme le vide-grenier du geek à Lyon, mais comme moi j'ai pas ça en Normandie, du coup c'est vraiment un endroit où je me dis, bah c'est cool, c'est vraiment un endroit où je peux aller pour acheter des jeux pour la collection. Vraiment, c'est ça la base de la Pixel Day, c'est ça. Et en plus de ça, Ryu, il a réussi à réunir pas mal de personnes. Je vais presque dire des youtubeurs, mais quand on... c'est difficile pour certains, on ne se considère pas youtubeur, voilà. C'est peut-être un peu difficile à expliquer, mais c'est envie de dire, non, mais youtubeur, voilà, on fait des vidéos sur YouTube, bon, si faire des vidéos sur YouTube, c'est youtubeur, ok, oui, si tu veux. Mais du coup, c'est un peu pompeux de se dire, ah, t'as pas forcément beaucoup d'abonnés, tu viens en dédicace, bon, voilà, mais... C'est une espèce de rassemblement de dingue où beaucoup de passionnés viennent. Et en plus, comme je le dis, il y a de la vente. Et c'est essentiellement du jeu vidéo. Donc comme au vide-grenier geek de Lyon. Voilà, pour ça que la Pixel Day, c'est encore une autre ambiance. Et on n'y va pas pour les mêmes choses qu'à Japan Expo. Alors, désolé, je cherche un peu où je vais. Hein, Donc par contre, cette histoire de fontaine, normalement, je devrais pouvoir le faire, puisque j'ai récupéré le seau. Ça me dirait bien d'aller faire la fontaine. Mais la fontaine... la fontaine... Alors, il y a des moments où c'est vrai que je cherche un peu mes... Donc ça, non, c'est bon. Là, est-ce que c'est une bonne idée d'aller par là? Descends. Oui, bien sûr. Non, c'était pas une bonne idée. Oui, c'est par là. Voilà. Je sais pas si je peux. Dailymotioner, oui. Effectivement. Mais je sais qu'à la Pixel Day, la première fois où j'y étais allé, je m'étais dit non, j'achète rien. Je prévois pas de budget. Et au final.
Bah, j'en ai eu pour, on va dire, allez, 70 euros. Vous allez me dire aujourd'hui, 70 euros, c'est rien. Oui, oui, mais bon, 70 euros pour des jeux PS1. Cette porte a été construite par des voleurs qui voulaient cacher leur butin. Je doute qu'une simple clé puisse ouvrir cette porte. Il te faudra un outil ou un objet utilisé par les voleurs. À bien y réfléchir, autrefois, un de mes amis avait perdu un fil très particulier au village aux astuces. Oh là 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 là. Un de mes amis avait perdu un fil très particulier au village aux astuces. Le village aux astuces, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh oh oh, j'ai ouvert. Salut Dark Player! Bienvenue, bienvenue. Dailymotioner, ouais. La Pixel D, c'est un rétro gamer fait pour des rétro gamers, c'est un rétro gamer fait pour des rétro gamers qui achètent ou échangent entre rétro gamers. Oui, c'est ça. Alors, tu peux faire des échanges, mais en général, les gens ont pris un stand pour vendre. Et ce qui est vraiment cool, c'est que il n'y a pas que des pros. Alors, ce qui est cool, c'est que il n'y a pas que des pros. Recule-toi, tu vas te blesser. Il n'y a pas que des pros. Il y a des particuliers qui prennent un petit stand pour dire bah ils revendent une partie de leur collection. Et donc ça c'est cool parce que bah, y a des pièces qu'on peut voir passer qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Notamment hein, des Castlevania, des Megaman, des choses comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait un devin dans le labyrinthe souterrain. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis sûr qu'il exige une quantité énorme de pierres. Oui, bon, ça on l'a déjà vu. Ça, et en plus, c'est la Pixel Day, on peut négocier. On peut négocier les prix, voilà. Je viens de check mes plannings, je fais un week-end dans le mois, et devine quoi en avril, mon week-end de taf, c'est le 23-24, ah oui, effectivement. Japan Expo, c'est des commerçants qui font venir des youtubeurs à 10 euros leur signature et 15 euros si tu veux une photo où on trouve des fruits secs. Oui, des fruits secs à très très cher en plus. Je suis en chercher au village. Il me dit que c'était quoi le village, je sais pas quoi. Comme Titi Craft, ce genre de salon, j'aime pas. Alors Japan Expo, oui. Mais après, comme je dis, Japan Expo, en fait, ça fait vraiment grosse foire, mais il y a plein de choses qu'on peut trouver d'autres dedans. Hein. D'où on doit payer pour des dédits et photos. Bah oui, je crois. T'es un ami de Edouard. On se voit pas souvent. Enfin, après, j'ai monté quelques-unes de ses vidéos. Et après on se croisait déjà en convention ou voilà, mais c'est une bonne connaissance, on va dire, voilà, je j'oserais pas dire oui c'est mon meilleur pote, tu vois, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et voilà, du coup je pense que c'est réciproque. Et voilà, vous devrez nous aider. Voilà, il m'a rechargé mes batteries, voilà. Et du coup, je sais qu'il avait, à un moment, il cherchait un monteur, et du coup, je lui avais proposé, je lui ai dit, bah écoute, il m'a pas rechargé mes batteries. Ah, du coup, j'ai monté quelques vidéos, et notamment la première vidéo que j'ai montée pour Edouard, ça m'avait fait rire, parce que c'était une vidéo sur la Xbox, voilà. C'était très drôle pour moi qui collectionne sur PS1. Et qui es-tu? Merci d'avoir attrapé le cochon qui est ensorcelé. Non mais d'accord, mais... Je lag trop. Ah mince, Dark Player. Ah, après, sinon, normalement, t'as moyen de enfin, tu sais, il y a le enfin, comment dire, la résolution que tu peux baisser si tu as envie. Mais hop là. Donc là, voilà. J'ai pu rencontrer des membres de la série Noob. Ils m'ont dédicacé une BD. J'ai les nerf puisque j'ai pas pris des photos sur le moment, j'étais un peu en mode fan timide, tellement content juste saluer certaines de ces personnes que je suis sur internet depuis plusieurs années, j'étais trop content. C'est compliqué hein, quand on rencontre quelqu'un de... Même moi, hein, je suis allé voir Benzaï au Mans. T'es là, tu sais pas trop quoi dire, quoi, tu... Voilà, mais... Sulu45, merci Sulu45.
prof, faudrait que je les regarde toutes. Ah oui, ouais, sur les émissions, ouais, il avait fait un super taf. Hein. Allez. Mais c'est... hop là. Bon, je suis un peu perdu, encore une fois. On les trouve toujours sur YouTube. Oui, oui, les émissions en prof. Oui, non, de Edouard, oui, tu les trouves. Hein. Non, elles sont toujours là. Et je suis même retourné voir, il n'y a pas si longtemps que ça, celle sur la PS1. Donc ça, c'est le village Bacchus. C'est pas le même village que l'autre. Les tranches de fromage, du coup, ça ira pas. C'est compliqué, là, tous ces objectifs. Et pourquoi est-ce que... J'ai pas trouvé le mon phénix, ça que je comprends pas. Enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac. Ça je l'ai fait normalement, ça que je comprends pas. Jusqu'à ce qu'il quitte JVC. Les chroniques, bah, ces chroniques normalement elles étaient aussi, il les a mises aussi sur YouTube. Hein. Tout ce qui est rétro découverte, enfin, pour moi c'était, ça y était. Alors ça que je comprends pas, mon phénix, je comprends rien, mon phénix. Un petit peu de mal, le Cyril. Mon phénix. Enfin, d'accord. Découvrir après avoir obtenu le sac du cochon rouge, c'est fait. Compléter. Battez le vilain cochon rouge à la place de la charité. En place de la charité. C'est ça que j'avais pas capté. Genre rétro, geek, j'aimais bien les musiques sur sa chaîne. Ah ouais, bah tu vois, j'ai pas... de souvenir que ça, mais... Big Cam... Ah, c'est cool. Merci, VT Calan. Il y avait la... J'avais vraiment kiffé aussi la vidéo avec... Oui, c'était... Enfin, il y avait Big Cam et c'est Fouiniman sur les débuts de la PS1. Et celle avec DGJX aussi, qui était... c'était mortel. Celle avec... oui, DGJX, elle était... Elle avait fait un super taf et tout, c'était génial, quoi. Faudrait que je la remette sur ma chaîne, d'ailleurs, peut-être pour... ça pourrait marquer le coup. Alors, on a dit... La place... Je fais 10 milliards de trucs en même temps, et du coup, la place de la charité. Alors, regarde la map. Ta carte. C'est la place de la charité que je cherche. Et la forêt, on verra après. Alors, place de la charité, j'avais dit. Carte. Oh, ouais. Place de la charité, pour moi, elle était. Forêt champignon. Forêt des nains. Non. Tour d'observation. Place de la charité. Village Bacchus, forêt champignon, pourquoi est-ce que... Place de la charité... J'ai pas compris. Alors là c'est sûr qu'en ce moment c'est un peu plus calme au niveau des vidéos, hein, mais... Enfin de ce que je fais, j'en fais beaucoup moins en ce moment. Ça reviendra. Il y a encore plein de jeux sur PS1 à donner plein de choses. La pause chocolat. Ouais, j'en ai pris un peu tout à l'heure, j'ai pris de l'avance. Je vais en reprendre un petit bout après, parce que je sens que ça fatigue. Il y a un Rayman dans le fond. Oui, ça c'est les amis de chez Pixel, qui ont un très très beau Rayman en Pixel, tu sais, des petites perles, Pixel, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ah ouais, je kiffe trop, quoi. Ah, il est avec un, il y a un fond doré et tout, non, ça claque. Salut Bebdon, comment tu vas? Par contre, comment j'y retourne à cette foutue place? Alors ça, c'est le manoir. On est d'accord. Donc je vais pas vers le manoir du village. Pas vers le mont, donc c'est un autre. Vers la forêt champignon. Place de la charité. C'est entre forêt champignon, truc chiant. Tour d'observation. Alors c'est entre tour d'observation et forêt champignon. Toboggan de feuilles, ok. Place de la charité, c'est tout ça. En forêt des nains, place de la charité. Alors ils disent pas où c'est. Bonne question. Je répète souvent.
La Pixel Day, c'est du jeudi au dimanche, comme la Japan Expo, ou juste le week-end? Non, 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 c'est juste le week-end. Déjà, avant, c'était une seule journée. Et je crois que ça faisait deux fois où on leur disait, bon, les gars, c'est cool la Pixel Day, mais une journée, c'est beaucoup trop court. Donc, on a fait le forcing, on a dit, écoute, Ryu, la prochaine fois, faut que ce soit deux jours. Voilà. Pas le temps de passer autant que je le voudrais. Ah non, bah écoute, il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Voilà, même un petit coucou, tu vois, ça fait toujours très plaisir. Je cherche juste là. Après, tu loupes. Tu loupes pas grand chose dans grand chose. mince, je voulais voir où j'étais. Avec mon skill éternel. Bientôt l'OTAN contre les Russes, on va avoir le droit à du commandant de Conquer, ça continue. Ah, Greg, je sais que t'avais... moi, je suis où? T'avais bien aimé le commandant de Conquer, mais c'est clair que quand tu m'en as parlé, je suis... Ah, mais... Donc là, je suis à la place de la charité. Là, il y a un cochon. Ah, je comprends rien. Ça, c'est pas la... C'est la forêt. Forêt champignon. Pourquoi ils disent qu'il y a rien de place de la charité et place de la charité? La différence... Compliqué leur truc, parce que place de la charité, il doit y avoir un... Hello Argotic, comment ça va? Avec ton pseudo, personne s'est quitté, hein, du coup... place de la charité. Bon, j'ai hâte, hein. Forêt champignon. Là, c'est la charité. Pour qui, pourquoi, comment? On tombe en l'an. Tour d'observation, d'accord. J'arrive pas à savoir où c'est, cette connerie-là. Donc, je suis pas parti du bon côté. Je suis en train de partir de ce côté-là. Il y a un cochon caché par là. Ça, je comprends rien. Oui, ça va venir vite. C'est dans pas trop longtemps. C'est inconnu. C'est pas le moment, oui, je sais pas s'il y a un moment plus qu'un autre, mais c'est pas cet endroit-là. Il y a un truc avec ce passage-là, il y a un cochon quelque part à faire pour faire un objectif, j'y arrive pas. Il va avec Kenpach à la Pixel, alors il y sera peut-être, Marc, j'ai pas la liste des invités, du coup je sais pas, invité ou pas invité, peu importe, mais c'est vrai que j'ai pas encore la liste de tous ceux qui y viennent. Moi, non, partant de Normandie, je bifurque plutôt vers le... Voilà. Un truc, on est d'accord. Hein. Je bifurque plutôt vers le nord et je passe pas par Paris, alors que comme il est en région parisienne. Donc là, ok, donc forêt, machin, chose. Je vais vérifier un truc, mais... parce que j'arrive pas à savoir où est ce machin. Le bruit des bottes qui couinent dans le jeu. Ah bon? Alors ça, c'est le truc avec la tour d'observation. Ça, d'accord, je veux bien. Soit je vais à la forêt des Sans-Fleurs. Donc non, là, c'est la place de la charité. Oh, il y en a encore un. Normalement, où est la tour d'observation? Là. Ouais, j'étais là. Il y a un truc qui m'agace. Non, 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 en voiture. Mais seulement en VIP. Ah, mais c'est... Oui, après, c'est sympa. Voilà, oui. La musique d'intro, elle marche? Ah oui, non, après... Oui, tiens, je vois, il y a pas longtemps. Je me souviens pas, hein, Commandant Conquer, faudrait que je le relance. Hein. Tu vas passer pas loin de par chez moi, par l'autoroute direction Lille. Oui, je prends direction Amiens, Amiens, Saint-Quentin, Valenciennes, si je dis pas de bêtises. C'est l'itinéraire que je prends, donc ça fait une petite bosse, et puis une autre petite bosse en remontant un petit peu vers le nord. Mais je sais pas encore, comment j'y vais, soit je rejoins un copain qui est en région parisienne, et après, du coup, on y va comme ça. Donc là, on est d'accord que c'était pas le bon truc.
Et l'autre, pour y accéder, je sais plus comment on accède de l'autre côté. Parce qu'en fait, je veux pas passer dans les... Il y a plein de trous, là, je vais... Je sens que je vais me taper des champignons, ça va me saouler... Voilà, typiquement. Il est triste. Et j'avais pas spécialement envie de ce truc-là. Tant pis, je vais tenter. Il est passé. Oh, il y avait un champignon que j'avais pas vu. Monter là. Ok. Là que je piche pas, il y a un truc. Oh. Là, je suis dans la forêt champignon, et d'accord. Ça c'est quoi? Champignon cœur. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole là? Je l'avais pas vu. Champignon curatif, mais ça que je comprends pas, il y a un cochon par là. Oh. Mettre un filtre. Je vais passer par l'Allemagne. Bah oui, 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 toi de chez toi. Salut Zahel. Ce jeu t'es mal tombé. Oups là, attendez. On y retourne. Mais alors je vais changer un truc parce que là je vais tomber, ça va pas me plaire. J'aime pas la chute. D'abord, Ombrelle plus. Voilà. Voilà. Ça me permet de tomber en douceur et de voir où je vais. Là, il y a un cochon quelque part. C'est ça que je comprends pas. Lâche. Il y a un truc quelque part à trouver à la place de la charité. Et ça m'agace. C'est bien tombé. C'est bien tombé. Donc, je suis à la forêt champignon. Ok. Donc, je suis là. Donc là, il y a place de la charité. Parce que s'il m'emmène à un endroit où je suis déjà... C'est ça qui m'agace, en fait, c'est que si je prends un truc... Place de la charité. Ponton branlant. Je vais retourner de l'autre côté. Retourner de l'autre côté. Là, il n'y a rien normalement. Voilà. Bon, après, il est pas si mal ce petit tombi, mais. Ricadada, elle est encore là. Yes! Oui, oui, Ricadada, oui, il est là. Donc, pas l'ombrelle plus. Oh! Ah oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Oui, je peux y aller, là. Allez. Allez. Parfait. T'avais des choses à lui demander. T'as une liste de courses à passer. Allez, c'est mon dernier petit carré de 1004 tendres au chocolat. Il n'y a même pas de noisette dedans. Oh, le vol. L'arnaque. Okay, donc là, je suis pas à la place de la charité, je suis au. Non, mais sérieux, quoi. Dans le live sur Medal of Honor et Call of Duty World at War, c'était un jeu PS2. Ah! Là, je suis bien au manoir, ok. Parce que là, tout va bien.
je crois savoir où j'aille. Je suis là, je retourne de l'autre côté. Non, ça va pas le faire. Alors. Call of Duty World at War. À la base, c'était pas un jeu PS2 ou c'est un... ou ça l'est devenu après, non? Si je pouvais motiver mon ami à venir avec moi, je serais chaud pour venir rencontrer du monde. Ah, mais oui! Après, c'est vrai que pour 7-8 heures de route, ça fait beaucoup. Si c'est pour venir qu'une journée. C'est pour ça que chez nous, on se prend un... Il y a plusieurs, on prend un hôtel, un machin. C'est un peu... c'est presque indispensable, mais... J'enregistre. Oui. Vas-y. J'enregistre, je vais recharger parce que j'ai plus beaucoup d'énergie. Ça, ok, c'est fait. Charger, oui. Ça va recharger les batteries. Ça c'est un petit astuce très sympa hein, quand on. Oui, c'est enregistré une mauvaise strat encore une fois. La vraie version est bien une version PC PS3 360. La version PS2 est une version bas de gamme qui comporte le nom Finest Hour en plus. Ah ouais. Pas du tout le même jeu, il est basé sur Call of Duty 3. Ah, oh, c'est vrai que je suis pas de. Faut que je regarde si j'ai pas un champignon qui va bien. C'est le week-end. Ah oui, si tu viens, c'est le week-end, oui. Genre on prend un Airbnb, bah c'est ce qu'on pense aussi, mais en fait, comme la Pixel Day c'est un gros événement, les Airbnb sont vite, enfin pris d'assaut, j'ai cru comprendre. Alors on est d'accord que là, il n'y a que là. Allez, courage, on va bien trouver. C'est ça que je comprends pas. Non, pas par là-haut. De toute façon... Après, du Airbnb, il peut y en avoir, mais sinon, après, tu peux vite te retrouver un peu loin de la convention. Bon, ça dépend, c'est vrai que... donc là, je suis revenu au même endroit. Ok, donc c'est exactement là où je veux pas aller. Et nous, on doit être le vendredi, donc départ 6h du matin. Ah ouais, pour y être pas trop tard. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, c'est vrai que moi, à 3h de route, 3-4h, je paye évidemment ma part sans problème, je compte sur toi. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé où je devais aller. Après, je sais pas encore comment j'y vais, enfin... Comment je vais me loger, tout ça. Pas encore. J'ai pas encore étudié la question. Oh, vas-y. Ça va se faire, mais... J'attends un peu le dernier moment. Faut presser. Je t'invite, Cyril. Tu viens quand tu veux. Tu veux dire... Alors, c'est pas là... C'est pas la place de la charité, on est d'accord. La place de la charité, elle est là. Si c'est pour venir chez toi, Argotic, c'est des... Je viens déjà, donc ça va. Carte. Confondu de titre. Pas de soucis, en plus c'est PS3, le Medal of Honor, que j'ai confondu, c'était en première ligne. Mais c'est un peu le bordel, on est d'accord, les Medal of Honor sur PS2, parce qu'ils les ont appelés, on a un peu l'impression que c'est tous le même jeu, enfin avec le... c'est quoi, c'est Soleil Levant ou... Et moi je sais que, par exemple, c'est pareil, c'est Argotic qui m'avait dit le Medal of Honor 2, je crois que c'est ça. Non. Non, Call of Duty 2, pas Medal of Honor. Call of Duty 2... Et ben en fait c'est pas le même entre tous ceux qui étaient sortis, j'ai pas de bêtises. Hein. Le Call of Duty 2, moi je l'ai récupéré sur 360. Je crois qu'il avait dû sortir sur PC, en fait il est
peut-être pas sorti sur les autres consoles, mais ce qui était sur PS2, c'était pas le même jeu ou je sais pas quoi. Enfin bon, après visuellement, ça reste le même moteur graphique, j'imagine, je sais pas. Alors, la place de la charité. Donc là, je suis au ponton branlant, ok. Il y a un cochon par là, mais vous déconnez ou quoi? Le seul qui est authentique, c'est le 1 et le 3. Allez, disent qu'ici, il y a un cochon quelque part dans ce passage-là. Qui serait enfermé. Non, mais je veux aller là-haut, moi. Comment j'y vais, là? Ponton branlant. Ok, prenons le ponton branlant. Passons de l'autre côté. Moi, ça ne m'amène pas à l'endroit où je veux, mais bon. Bref. Ouais, ça va, on a compris. Je me vais. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Le World at War, je laisse sur 360. Ah, yes. La Soleil Levant, j'y ai pas joué, en fait. Donc là, je suis devant les statues, mais je suis pas où... Mais comment on y va, ce coin-là? Soleil Levant, c'est Indochine. Ouais, ça serait pas déconnant. Place de la Charité. Bah voilà, j'y suis, là. Et donc, tout à gauche. Et là, il y aurait un cochon. Donc, il y a la fontaine. Ok, donc là, on va essayer de reprendre de l'eau. Et par là, il y aurait un cochon. Bah oui. Là. Ça. Utiliser un objet. Champignon ordinaire, j'en ai qu'un. Champignon curatif. Que ben... Prends-le. Ça devrait aller mieux. Médaille sur Medal of Honor. Attends. Mais le Soleil Levant, j'y ai pas joué. Alors on est d'accord que Soleil Levant, c'est l'un des Call of, enfin des Medal of Honor les plus faciles à trouver, non? Faucon de guerre, avant-garde. Waouh! Il y aurait de quoi faire. Hein. Il y aurait vraiment de quoi faire. Hein. Ah oui! Poudre bleue reçue. Jusque-là, tout va bien. J'ai fait ça pour rien. Quelle poisse. Du coup, c'était bien au bout, c'était bien là. C'était bien ça. Par contre, je comprends pas comment Call of Activision, Medal of Honor, EA Games. Ah, ok. Et pas une histoire de larmes à récupérer pour dépétrifier les statues de la fontaine des nains. Ouais, je crois. C'est pour ça que je disais, je l'ai fait tout à l'heure avec le seau. J'ai re-récupéré le seau. Donc, je me dis qu'il y a un moyen de. Je vais bien finir par y arriver, hein. Mets-moi l'ombrelle. Allez, où? Pas envie de me retaper le champignon à la noix là. Voilà. Ah oui, ok. Allez. Je comprends pas l'histoire du chien où on pouvait voyager rapidement, Titi Craft. La particularité du premier Medal of Honor est qu'il a été créé par Steven Spielberg. Il regardait jouer son fils à GoldenEye. Oui, j'avais entendu parler de ça.
C'est assez réussi. Hein. Enlève l'ombre. Joyau souffle. Je verrai plus tard comment ça fonctionne. Allez, on y retourne. On y retourne. Vas-y, mon petit. Eh, non, là-haut. Heureusement qu'il y a une touche pour courir. Hein. Donc, je sais que j'irai pas de l'autre côté. Je me suis trompé de côté. Vas-y. Vas-y. Les FPS de guerre, il y en a eu tellement. D'ailleurs, la dernière, c'est un 2042 qui semble mauvais selon les dires. Ouais, j'ai cru entendre parler de ça. Mais, par exemple, le Call of World War 2 sur PS4 et tout, enfin, et consorts. Moi, je le trouve... du coup, je le trouve bien. Bon, après, je suis pas une référence en matière de FPS, hein. Mais voilà, venir-toi. En première ligne sur PS2 avec le débarquement est repris par Steven Spielberg dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Ah, excellent. Et d'ailleurs, le premier, non, pas le premier Call of Duty, mais il y a eu un Call of Duty. Il y a des histoires dedans qui sont basées sur des vraies histoires. Je suis tombé dessus par hasard. Je regardais des reportages sur la Seconde Guerre mondiale et d'ailleurs, faudrait que je le partage. Un vétéran qui expliquait, il disait bah voilà, mon histoire a servi dans un jeu vidéo. Alors, il sort une plaquette, est-ce que c'est un press kit ou j'en sais rien, Call of, et il explique, il dit bah voilà, ce qui lui était arrivé à lui, c'est repris dans le jeu. Raviver la fontaine de la charité. Oh oui, on m'a dit que tu cherchais des larmes ou quelque chose comme ça. Alors, place de la charité. Pourquoi il devrait y avoir... Il y a un cochon par là. De toute façon, voyons, il me semble que nous avons 26 papillons feuilles. Oui, mais j'en ai pas d'autres. Et j'étais assez bluffé de... Là, foutu cochon! Putain, il est là. Du coup, je ressors, je recharge, j'y vais. Je vais me le faire. Un panneau pour sauvegarder. Il y en a un. Il y en a un là. Voilà, et ça nous fera un objectif de plus. Enregistrer, oui! World at War sur PS3, c'est génial, c'est le Call of Duty. Ah ouais? Je sais même pas si le 3 avait été canon, non? Écraser, oui. Là, voilà. Call of avec l'arrivée du mode zombie. Ah oui. Après, je joue pas au mode zombie ou au mode. Je trouve bon après particulier, mais. Et le vrai n'ont pas eu besoin d'une mise à jour pour y avoir accès. Ah oui. Ça c'est bon. Ouais, il m'est arrivé une histoire incroyable un matin. Je me suis levé et j'ai eu 3 PS1 pour 10€. On pourrait créer un jeu avec ça. Ah, j'en ai récupéré 6 pour 40. 40 un peu plus. Un peu plus parce que il y avait les frais de port. Mais bon, elles sont pas en... On prend en super état, hein, mais bon. Allez. Oui, je veux t'avoir. J'ai fait que le 2, j'ai pas accroché. Oh, Warfare. Ah, Modern Warfare, ah oui. Alors, voilà. Bon, un cochon à battre. La tête. Ah, comment tu es arrivé ici? Par moi, le cochon ombrageux, personne n'a accès à cette zone. Je suis le seul et unique maître des orages. Ce n'est pas un endroit fréquentable. Pour quelqu'un comme toi. Oh, oh. Alors, toi et tes chevilles bizarres, décampez que je ne vous revois plus. Mes orages sont désastreux pour tout le monde. C'est d'autant mieux. Je fais ce que je veux. Ces énormes orages sont mes chefs-d'œuvre. Un bracelet en or, ma foi, oui, c'est magnifique. Alors, quel problème y a-t-il à en faire la collection? Regarde un orage foudroyant, c'est moi qui commande ici. Ne me sous-estime jamais.
je vais me charger de te faire comprendre qui est le maître de ces lieux. Oula, c'était pas ça. Oulalalala. Évidemment. J'ai raté le sabre. Non, s'il y a que ça, ça va. Ah, il est chiant avec tous les bâtons. Vas-y. Ah, c'est chiant avec les bâtons par terre. Oui, bon, ça va, on a compris quoi. Monte. Va dedans, dans le sac. Voilà. Normalement, il n'y a que ça à faire. Hein. Et voilà. Mon phénix, ça c'est fait. Terminé. Terminé! Courant, Cyril est aussi sur Discord. Yes! Ah, regardez, une petite cinématique là. De dégâts, les pics. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Ah oui, le vent s'est calmé. Donc là, on va pouvoir faire un autre truc. Merci, Argotic, du coup, pour le lien du Discord. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez. Voilà. Après, le Discord, il est évolutif. Hein, voilà. Le vent du mont est enfin dégagé. Exact, Titicraft. Et du coup, il y a des choses à faire. Donc, retour au panneau, retour à la sauvegarde, retour à recharger. Par là. Eh bien, un panneau, je pars vite là. Ah, j'aurais lutté pour la trouver. Hein. Oui, les boss, ils sont quand même assez simples. Hein. Quand t'as compris le truc, la difficulté du jeu, c'est quand même d'arriver à faire toutes les étapes, quoi. C'est tous les objectifs. Ça, c'est pas gagné. Un live depuis Discord. Alors, oui, effectivement. Après, je sais pas. Charger, oui. Après, je te dirais bien, j'ai déjà du mal à suivre entre les objectifs du jeu, le chat et tout faire en même temps et jouer. Comme dirait Colic, le Michel Drucker de la PS. Excellent. Mais après, on avait fait un... Bonsoir. On avait fait un... Comment dire, un petit vocal une fois, mais après, je sais pas s'il faudrait le prévoir. Ou enfin, quand tu dis un live depuis Discord, diffusé sur Twitch, c'est ça que tu veux dire ou c'est peut-être pas ça? Allez, donc voilà, donc ça c'est fait. Allez, objectif suivant. Alors, on est comme ça. Donc maintenant, la fontaine, cette fameuse fontaine. Est-ce qu'on peut la faire? Fontaine, alors. Incassable, non. Mystérieux champignon, non. Rouge plus bleu. Fontaine cassée. Alors, en arrivant près de la fontaine à la place de la charité, ok. Envoyer la quoi? La fiole de larmes près de. J'ai envie des fioles. Fiole, j'ai fiole. Vizir. Insulté. Mais bordel, c'est encore perdu. Il s'est encore perdu, quoi. Diffusé sur Twitch en même temps ou pas, comme tu veux, Cyril, je veux pas te commander. Ah non, mais après, le problème, c'est que, en fait, j'ai le son de la télé. Je l'avais. En fait, c'est le problème que j'ai. Enfin, c'est ce qu'on fait avec Pesca quand. Après ça fout, enfin c'est pas que ça fout le bordel, c'est que c'est vrai que j'ai, si je le fais, si remarque, je le fais avec Pesca, je le faisais avec Pesca avant, donc oui, si de se faire au moins une fois de temps en temps à droite, mais pourquoi il va à gauche, Vindio? il y aurait moyen de rigoler, bon, pas sur Men in Black, parce que
Peut-être pas sur Men in Black, parce que du coup, c'est un peu long parfois. Mais par exemple, la dernière fois sur... Mais ne serait-ce que sur Medal of Honor, hein, Medal of Honor, le temps que j'ai passé à faire la mission, je sais plus quel était le numéro de la mission, mais... Ah oui, bah après, ou alors, faudrait que je mette le son pas trop fort, comme ça, vous pourriez hurler. Soirée mensuelle, je suis en stream avec vous. Alors, vu sur... Donc, du coup, je fais... Comme je fais 4 lives par mois, il y en a une, on peut. En stream avec vous, ça peut le faire. Après, ce que j'ai peur, c'est que je sais pas si on laisse les gens non-stop, ou on dit bah un quart d'heure par personne, parce que du coup, s'il y en a qui voudraient intervenir, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne mauvaise idée, je sais pas. On pourrait tester en même temps, à la limite, on s'en fout. Hein. donc, je disais, ici, il faut la fiole. Allez. Allez, d'accord. Tri. Voilà. J'ai pas une fiole? J'aurais juré d'avoir vu une fiole tout à l'heure. Miroir magique, poudre de résurrection. Champignon. Non. Il faut une fiole. Bon, bah, je croyais que j'avais une fiole, mais... Impossible, non, je peux l'utiliser. Cloche. Bon, bah, j'étais persuadé d'avoir une fiole. Mais je n'ai pas de fiole. Il faut une fiole, donc, tu es modo sur le oui, c'est vrai, mais ouais, on pourrait se prévoir ça. Il a même pas le temps de faire ses propres lives, il en vend pas trop. Non, mais après, bah, ce serait un des lives consacrés à être ensemble. Non, ça peut être après, on tente, hein, voilà. Par contre, effectivement, je n'ai pas de fiole. Je n'ai pas de fiole. Bon, bah, j'ai pas de fiole. Bah, du coup, autre qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, si, en fait, le truc, c'est que si je, pour le vocal, il faut que je, alors, la difficulté, c'est d'arriver à l'entendre. En fait, la difficulté pour moi, c'est d'arriver à entendre le Discord qui serait sur mon PC avec le jeu sur la télé, et d'ajouter bien l'enregistrement du Discord dans OBS. Alors, c'est un truc à rajouter en plus, c'est pas infaisable, mais je sais que c'est chargé, mais on pourrait faire un test, voilà. Bracelet du grand-père, non. Sac du cochon jungle. Trouve le sac du cochon de la jungle. La jungle. Il va te falloir une oreillette. Ouais, mais du coup, c'est chiant, parce que si je mets une oreillette, j'entends plus le jeu, quoi. Que de la bouche. Maintenant, là, tout de suite, je peux pas. Ah non, oui. Mais après, je peux l'entendre. En fait, le problème, c'est qu'il risque d'y avoir un écho si le micro capte, comment dire, le son de l'ordi. Alors, c'est ça qui était un peu merdique. Je sais plus si avec PSK, je mettais justement un casque pour bien entendre et que ça perturbe pas. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Sac du cochon sous-marin, la porte du voleur, creuse comme une forêt aux 100 fleurs. Donc ça, pourquoi ? Enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac. Ah ! La forêt aux 100 fleurs, donc ça, je sais où elle est. Là, il n'y a rien d'autre à faire, on est d'accord. Et si tu traverses le toboggan de feuilles et que tu
prends à gauche, à la forêt champignon, tu arriveras à l'océan. Oh là 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 là. Si tu traverses le toboggan de feuilles et que tu prends à gauche à la forêt champignon, à gauche, oui. Toboggan. Le toboggan. La fontaine de la charité est très célèbre. Tout le monde vient sur cette place. Avec un casque et tu fais un mélange audio. Alors le mélange audio, pour vous mais pas pour moi. Parce que en fait le casque, si je le branche sur l'ordi, je ne récupère pas le son de la télé via l'ordi. Moi j'ai le son de la télé, enfin j'ai le son du jeu via ma télé. Ah oui, c'est un vrai merdier. Bah, je te remontrerai Greg, la prochaine fois où tu viens à la maison, je te montrerai. Ça serait dommage de plus entendre ces douces musiques. Non, on peut laisser tout ça normalement. Lundi soir, tu veux faire un stream depuis chez moi. Ah ouais! Ben, Gran Turismo 7! Oh là 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 là! Faut que je vois où est-ce que je l'achète. D'ailleurs. Parce que je serai chez toi quand il va sortir. Il sort le 4, je dis pas de bêtises. Mais du coup. Donc c'est pour ça que je l'ai pas. Je l'ai pas précommandé. Parce que je me dis que je serai pas là pour le récupérer. Je l'utilise, j'ai perdu 480 points pour l'unique gadget de la chaîne. Hein? C'est le truc avec les petits cœurs. Bah, j'y connais rien, mais c'est gentil. Merci, Ricardad. Tu bosses à la Fnac. Oh. Chaud patate. Lundi soir. Faut de la PS1 en gadget, la sienne. Ah, mais voilà, ça fait partie de ce que je disais. J'y connais pas grand chose. Bah, du coup, faut que je regarde dans les gadgets alors. Gran Turismo 7, j'espère qu'il va être bien. Pour moi, Gran Turismo 7, c'est comme un Mario Kart. Hein. C'est pas... Ça peut pas être mauvais. Le manoir hanté, il y a très longtemps, était caché... Il y a très longtemps, était une cachette de voleur. Ah, quoi? Le manoir hanté, il y a très longtemps, était une cachette de voleur. Ok, on a... D'accord. Donc ça... Mais non. Faut des larmes. Oui, mais c'est dans une fiole. À l'intérieur du coffre à trésor millénaire se trouve un fléau d'armes cachées. Oui, t'es gentil, mais de toute façon, il me manque. Tu dois trouver un moyen de raviver la fontaine de la charité. Voyons, qu'est-ce que c'était? Très drôle. On dirait que même le mont orageux a été ensorcelé par les vilains cochons. Il doit y avoir un sac à vilains cochons pas loin d'ici. Le mont orageux? Elle se trouve. Tu le sais déjà, non? Donc lundi soir, donc le 4, 5, 6, on sait combien 4, 5, 6, 7. Le 7, ce sera pas de live, live. Comme d'habitude, ça sera un petit peu différent, je pense. Fameux point, jamais... Non, mais j'ai jamais utilisé non plus, je te rassure, Titi Craft. J'ai commencé vendredi à la Fnac. Ah, yes, ok. Bon, c'est cool. Oh bah c'est bien, bah cool, bravo, bien, félicitations. J'allais dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut me récupérer une PLV Uncharted en cinéma, mais ce que j'allais dire là, à la Fnac, ils ont peut-être des PLV sympas, Horizon par exemple, tiens, mais bon, à ramener dans la valise, ça va être compliqué. Si on peut les faire, il suffit la taille, et je peux t'envoyer ça avec de la PS1. Ah oui, alors la taille, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, on peut les faire, non. Ça, je sais qu'on peut faire plein de choses, mais... Poser un jeu en live dans mon sous-sol, mais tu sais bien, j'ai une collection internet en morse binaire de 1957. Après, des fois, avec le Wi-Fi, ça peut le faire. Hein. Mais le Wi-Fi, la 4G. T'occupes du rayon JV, j'espère. Je peux voir avec le ciné à la Fnac. Rayon JV, ah c'est cool. Ah mais excellent, c'est bien. Même les grottes de lave ont été ensorcelées par les vilains cochons. Ok, non mais pour éteindre les feux, arrête les vilains cochons. Oui, ben oui, c'est ce qu'on a fait. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus de feu, c'était de la fumée. Bon. Tu vas voir l'envers du décor alors. C'est pas exactement par là que je pensais atterrir. Bah, la forêt des aux 100 fleurs, là.
Il y a un truc. Ah. La forêt des fleurs. 4G dans le sous-sol, j'ai une barre sur mon téléphone, c'est un blocos. Ah, effectivement. Pas de PS5, pas de PS4, c'est la vraie merde. Ah ouais? Ah oui, vraiment à ce point-là, alors. Donc c'est pas une légende, quoi. Bon, après, de la PS5 ergotique, t'as réussi à en avoir un petit peu. Forêt des sans-fleurs. On est d'accord, dans la forêt des sans-fleurs, il y a un cochon. Forêt des sans-fleurs. Cabane du centenaire. Dans cette forêt-là, il y a... Parce que la charité s'est faite. Donc, entre là et tout à gauche, il y a un cochon de caché. Avec une porte... Voilà. Voilà. Pourquoi mon téléphone fait des poutres? Ah super. Voilà. Madame qui est en déplacement et du coup voilà, grosse journée. Antenne relais et roule pour ta 4G. Ah oui, PS5, non, juste 5, mais rien de plus novembre. Elles sont toutes passées entre tes mains. Donc ça. Où elle est cette foutue fenêtre? Ah, il devrait. Là, il y a une. Normalement, ici, par là, il y a une. Il y a un cochon à avoir. Comme on a fait tout à l'heure, il y a un boss. Un boss de niveau, là, mais. Oh, casse-toi de là. Il devrait y avoir une porte qui s'ouvre comme dans l'autre niveau là où avec la fontaine. Je suis allé avec la fontaine. Mais j'ai l'impression que je vais rien trouver. Et que ça va m'agacer. Vu le coffre là-haut, mais bon. 2023 PS5 que Sony relancera, si j'ai compris leur façon de faire, ils repartent sur la PS4. Pas compris le truc. Oui, ils refont quelques PS4, mais bon. Toujours pas de PS5 perso. Pas de PS5 pour 2022. Si on en trouve encore, c'est des stocks en vrai. Ben. Après, je sais pas le délai qu'il faut par exemple. Hein. La chaîne de production de PS4 pour combler les pertes des non-ventes qu'ils auraient dû avoir avec la PS5. Ah oui, c'est chaud quand même. Donc je cherche pas non plus. Il va sûrement y avoir des promotions de dingue PS4. Ouais, je sais pas. Tu crois? Il n'y a pas un autre passage là? Allez... J'imagine que ça doit être par là.
Voilà. Là, il n'y a rien pour s'accrocher. Ah, c'est relou quand même. Alors, quand on est tout là-haut. Je vais faire autre chose. Un autre truc. Allez, 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 vas-y, vas-y. Arrête, 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 arrête. Voilà, on s'équipe. Console neuve après cassé, ils sont obligés, je sais pas. J'espère qu'ils vont investir une PS4 neuve s'ils attendaient la PS5. Oui, c'est compliqué. Nintendo OLED sorti, ils font tellement de prix sur la première version. Ils font des prix dessus, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. L'époque est quand même assez bizarre hein, sur les consoles. On va pas se mentir. Hein. Il n'y a plus de texture. Ils ont même pas fini de mettre la texture sur le truc. Allez. Où il est ce foutu cochon dans la noix là. Alors, il est de l'autre côté, mais j'y crois pas. Et il descend. Bon, bah, j'ai l'impression que je le trouverai pas, ce foutu cochon. Je sais pas où il est caché. Hein. Et il y a même plus de texture à un moment. J'ai oublié de mettre la texture. Hein. Bon, bah, je sais pas où il est caché. Hein. Je crois que c'est il y a que la PS3, enfin PS4, non je l'ai pas acheté neuve, mais PS3 que j'avais pas pris neuve, que j'ai eu que grâce à Argotic. Mais Nintendo, ils ont toujours du mal à baisser les prix hein, quand même. Alors est-ce qu'il y a un truc encore par là? C'est pas possible ça. Un cochon de cachet, mais on sait pas où il est. Ah, la texture elle est même pas là-haut. Bien les gars, bien. Ben je vois pas où il est. Hein. Bah, surtout que l'écran OLED, il était sur la PS Vita il y avait quelques années quoi, hein, mais bon. Bon. La Switch en décembre pour son anniv, j'ai de suite dit à sa copine qui lui a acheté de lui prendre celle de base. Je joue sur dock donc ça sert à rien la OLED. Ah oui effectivement. Effectivement, vu comme ça. Je suis un peu perdu, donc à mon avis, ça va être compliqué sans la Solus, quoi. Nintendo prennent de plus en plus de retard niveau graphique. Bah après, ils s'en foutent. J'ai presque envie de dire, ils s'en foutent un peu, quoi. Non, je me trompe peut-être, hein, mais. Jus de fruits mortels, graines florales, plantes de jardin floral. Alors, qu'est-ce qui nous manque là-dedans? Quels sont les objectifs? Parce que du coup, j'ai peut-être pas parti sur le bon. Et les prix de Zelda Breath of the Wild, 5 ans plus tard, toujours vendu plein pot. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et Nintendo, ça coûte plus cher. Alors, là, sac du cochon ombrageux, c'est bon. Là, c'est bon. Sac du cochon jungle, on va le chercher. Sac du cochon. Pourquoi est-ce que j'ai pas forêt au centre? Pourquoi ça ferme les pouvoirs du vilain cochon? Forêt aux 100 fleurs, pourquoi est-ce que je trouve pas? Alors.
J'ai regardé, tant pis, je cherche dans la solution parce que je vois pas. Forêt aux 100 fleurs. Enferme les pouvoirs du vilain cochon dans le sac. Ok, découvrir l'aîné des nains. Quoi? Vous en parle quand il vous donne le sac de cochon. Okay. La première fois que vous lui parlez. Battez le vilain cochon dans le labyrinthe souterrain, dans la maison du vieux des Arbres de 1 million d'années. Mais j'y suis pas allé. Mais pourquoi ça s'appelle la forêt aux 100 fleurs alors que ça se passe pas dans la forêt aux 100 fleurs? Sérieux les gars quoi. Besoin de fiole de larmes. Demande la fiole de larmes. On suit Dijon. Je sais pas. Fontaine cassée, ça on sait que c'est la fiole. Hein, cache-cache, faut pas le faire. Bébé pleurant. Porte verrouillée avec un vide. Triste. Et verrouillée. Oh la poisse. Ah, j'étais devant, j'ai pas voulu y aller. Oh, mais la porte, je peux la déverrouiller que si je suis triste, non? Quand le vent se calme, le vent souffle trop fort pour que l'on puisse ouvrir la porte. Oh, il y a plein de trucs à faire là. Techniquement parlant, Nintendo ils s'en foutent, mais le problème, dès qu'en dehors de Nintendo lui-même, il y a très peu de gros jeux qui sont réussis. En dehors de Nintendo. Les jeux. En dehors des jeux Nintendo. Oh. Oh, t'as quand même. Oh non, je. Oh. Pas sur les graphes, mais il y a des limites. Oui, non, après. Il est bien Black Ops sur la Wii. Après, comme moi, j'ai presque envie de dire, comme je joue très peu, je sais pas. Oui, bah, le problème, après, le problème avec la Switch, Zael, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois j'ai un peu l'impression ils sortent des jeux indés, mais c'est des trucs qui sont depuis 4 ou 5 ans déjà sur Steam. Hein, tu fais. Les gens font ouais, et tu fais bah ouais, mais des fois c'est un peu l'impression de payer plein pot un jeu qui est déjà dispo ailleurs. Alors, oui, certes, c'est le cas un peu pour d'autres, mais enfin, c'est le cas pour plein d'autres consoles, plein d'autres jeux. Mais c'est louable aussi dans le sens où ils sortent les jeux en physique. Donc, ça, voilà, quand on est attaché au physique et voilà, on met sa cartouche et ça fonctionne, mais. Leur jeu en foutant des procès à des modeurs qui bidouillent leur console. Ouais, je sais pas s'ils remportent tant d'argent que ça. Hein. Quand on sait le coût d'un jeu. L'autre du jeu Pokémon, il a 15 ans de retard. Mais oui, 20 ans même. Black Ops sur la Wii. Donc j'ai dit qu'il fallait aller au Mont Venteux. J'y vais comment, j'y vais comment avec ce bordel. C'est quoi ce truc là? Là y'a rien, on est d'accord. Non, c'était pour la blague. Mon venteux nanani gnagnagna. Je veux bien prendre un raccourci, mais. Découvrir des jeux indés de plus ou moins bonne qualité tout bientôt. Ah oui? Bon, pas sur Switch, parce que je l'ai pas, hein, mais... Je cherche un jeu de course de Konami sur PS1. Mais tu... Ça m'intrigue, Argotic. Du coup, te faire découvrir des jeux indés de plus ou moins bonne qualité. Tout bientôt. Pourquoi de plus ou moins bonne qualité? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'entends par de... T'en as trop dit ou pas assez? Jeu de course Konami sur PS1? Alors là, quel genre de course? Parce qu'en fait, Konami a dû se placer en éditeur, mais... Alors, si tu trouves des graines florales, dis-le-moi. Ok. Maintenant que j'y pense, il y a très longtemps, une sorcière est arrivée au village traversant la mer. On raconte que les étranges boules de cristal dans la forêt ont été laissées par la sorcière lorsqu'elle est partie.
Bon, je regarde au cas où. Nous te devons beaucoup, oui, ici chez toi. As-tu vu cette chose bizarre avec l'inscription PA sur le dessus? Alors non, je sais qu'on m'a dit qu'il en fallait. Mes amis m'ont dit avoir vu des portes et des boîtes avec ces lettres dessus. Oui, bah ça, merci, on a compris. Car en Andé, il y a du bon et du pas bon. Ah bah oui, évidemment, évidemment, évidemment. Soi-disant nouveau comme les le RPG qui date de leur Nintendo Live, il était sur Steam. Mais oui. Midnight Run. Ah, possible, VT Calan. Bien vu. Ça serait bien ça, ouais. Parce qu'il y en a un autre auquel je pense, mais... T'avais pas une PS3 que tu voulais bidouiller pour le hack? Oui, 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 oui. Alors, pour que tu me la fasses, faudrait qu'on le fasse à distance, mais parce que du coup, si je viens, je vais pas avoir beaucoup de place, je crois. Je suis pas sûr, mais... Brother Tales of Sun ou Brothers ou sorti comme nouveau, or qu'il était sorti bien avant, vu cet après-midi. Mais oui, c'est un peu le sentiment que moi aussi j'ai avec la Switch. Mais après, ça n'empêche pas, il y a plein d'autres trucs, hein, mais nous te devons beaucoup, tu es ici chez toi. C'est ça qui est entretenir le feu, c'est mon boulot. Il ne doit pas s'éteindre. Ok. J'ai caché quelque chose de très important dans la forêt, mais j'ai peur d'aller le chercher à cause des cochons. C'est très important pour moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans ce sens-là. Oui, bah. J'ai vu un drôle de chiot dans la forêt, tu l'as vu? Oui, mais je l'ai pas revu. Tu es blessé, viens ici, laisse-moi t'aider. Je te soignerai. Et si jamais tu es blessé, voilà, d'accord. Et là, du coup, c'est fait ou c'est pas fait? Faut downgrader la PS3, ou alors ça dépend peut-être du... du firmware que t'as, hein, ou du hack par lequel tu passes, parce que au final, il faut qu'elle soit à jour pour la péter. Ah, ok. Ce que je disais, enfin voilà, ça dépend du hack, il y a des hacks qui sont plus récents. La forêt champignon renferme toutes sortes de champignons appétissants, mais je n'en mangerai aucun si j'étais toi. Oui, bon, ça on l'a vu. La forêt champignon renferme... Bon, je vérifie au cas où c'est d'autres. Tu as vu le télescope en oui. Ouais, ben... Il y avait des trucs à faire. Et tu es allé à la plage de la charité dans la forêt. Hein? À la place de la charité, oui, j'y suis allé. Les vilains cochons ne se cachent pas aux endroits sur lesquels ils ont jeté un sort. Tu trouveras l'entrée de vilain. Avec le sac à vilain coche. Quoi? Ah, ok, si j'ai pas le sac, je trouve pas l'entrée. Mais chaque sac correspond à un vilain cochon et ne peut renfermer que ce cochon. Il faut 7 sacs pour renfermer les 7 vilains cochons. Les sacs à vilains cochons se trouvent près des endroits sur lesquels un sort est jeté. Okay. Il n'est plus utile de garder la forêt profonde. Tu peux passer comme tu veux. Okay. On est vu. Bon, on se casse. Hein. Actuellement, les hacks sont basés sur la mise à jour actuelle de... Là, oui, c'est ça. Hein. Le hack, c'est 3 minutes montre en main. Ah, énorme. Je vais filer, mon cher ami, je te souhaite bonne nuit. Ah, c'est cool, merci, Lolo. Je savais pas que t'étais encore là. Bonne nuit, alors. Bah, bonne nuit. Bah, écoute, bah, encore un gros merci. un gros merci pour ben, le raid avec Edouard. C'est vraiment très gentil. Merci beaucoup. Je galère toujours comme ça. Hein. Voilà, après... La madame qui a perdu au village. Hein, quoi? La madame qui a perdu au village? Dans le village, là? Et une madame qui a perdu? Qui a perdu quoi? Ah oui! La femme en rose, oui? Ah oui, si je l'ai retrouvée, je lui donne. Mais elle a pas dit ce que c'était. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai caché quelque chose de très important dans la forêt, mais j'ai peur d'aller chercher à cause des cochons. C'est très important pour moi, je ne sais pas ce que je vais faire sans ça. Oui, mais alors du coup... Rocher. Oui, Zahel, oui, j'aurai un stand, un petit stand à Grucher avec de la PS1 en accès libre. Il y a une belle surprise, enfin, tu verras, voilà. Je ferai une petite vidéo. Sac du cochon bleu, papillon feuille. J'ai 4 papillons feuilles. Pourquoi il les a pas pris tout à l'heure? Baron. Il est là, Baron. C'est ça, le chien, en fait. Ah oui, 5 heures, oui, ça va piquer.
Le légume, quand tu as éteint le feu, c'est ça, c'est un légume que j'ai récupéré? Oh. Et tu l'as trouvé, merci beaucoup. Je sens que ça vient, tire sur mon doigt. Cet humour... Ouf, quel soulagement, je suis désolé, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'avais tellement de gaz que j'allais exploser. Merci beaucoup. À propos, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Mais pourquoi ne le prends-tu pas? On m'a dit que c'était quelque chose de très spécial. Force max plus 1 reçu. Un nouveau l'odeur de l'igname sur le feu. C'est sûr. Bon, il n'y a rien d'autre. Ok, bien vu, merci Uricadada. Un stand de pâtisserie, oui, ce sera. Alors, ce sera pas loin de Sylvain, hein, c'est dans la même zone, mais c'est une zone où il y a de l'animation, il y aura des flippers, il y aura un équivalent, enfin comme une salle d'arcade recréée avec KF Corp, qui était déjà venu avant. Putain, j'étais en train. Excusez-moi, j'étais en train de me dire, il y avait un truc à faire et j'ai zappé. J'ai zappé ce que je devais faire, bon, c'est pas grave. Il y en a tellement à faire de toute façon, on a le temps de... Mais ouais, il y aura de la petite PS1 en libre accès. Et voilà, des petits concours, des choses... Voilà, on va essayer de faire de l'animation, ça va être sympa. Donc ouais, c'est un espace dédié à animation. Donc ça va être... Moi, ça va être cool, je pense, ça va être... Ça va faire du bien, voilà, surtout de se retrouver. Je sais plus. Putain, c'est tous ces objectifs. Et je note pas. Ah oui, le chien. Alors, donc on va dans les objets déjà. Enlève. Putain. Utiliser un objet. Enlever l'ombrelle. Yes. Donc. Objet. Utiliser un objet. Et ce fameux chien, c'est Baron. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, le chien. Voilà, putain, c'était ça, le chien, il s'appelle Baron. Il va y avoir des bonbons à gagner. Des bonbons, des belles, des coupes trophées, platine, des choses comme ça. Forêt de nains, forêt champignons, forêt fleurs, forêt machin, jungle profonde, village de je sais pas quoi, il y a que ça. Alors bah du coup, fait. Comment ça marche? Quelques-uns. Sac de cochon. Ouvre le sac. Alors, c'était ça que je voulais voir. Et donc, la place de la charité. Voilà. Vas-y. Objet. Utiliser le chien. Baron. Place de la charité, c'est. Forêt des nains. Voilà, vas-y. Bernay. Ah, je sais pas s'il y aura une convention à Bernay. Alors, tu me poses une colle, ou alors il y en a peut-être une d'habitude, et je le sais pas, mais le Tezimote, je fais ça, et tu pourras les mettre si tu veux. Mais oui, bien sûr, mais avec plaisir. Alors, attendez. D'ailleurs. J'y connais rien, ça me. Attends. Déjà ça. Comment ça marche? Oh non. Est-ce que ça peut t'aider ou pas? Personnalisation sur votre premier cadeau, je comprends rien. Voilà. Hello Étienne, comment tu vas? Bonne nuit tout le monde, bonne nuit Greg, merci beaucoup. Bah on se reparle demain. J'allais refaire une tournée de cookies. Des cookies. C'est bon ça, j'adore les cookies. Mais oui, non, c'est pas des cookies. Tu remets au four et j'avais pas capté. L'heure pour dire que oui, il y a une nouvelle convention qui va naître à Bernay, c'est bon ça. Et c'est en juin je crois, ok. Ou alors je dis des bêtises et... Attendez.
Voilà, attendez. Et... Ou je vous dis des bêtises, et je le sais déjà. c'est peut-être ça. Ah mais grave, trop impatient d'être à Gruchère. Hein. Bah ça va bien Étienne, écoute, assez cool, merci de passer, même, ouais c'est vrai qu'il commence à se faire tard, on va pas tarder à couper, Bernet ou Maïdi au mois de juin, donc c'est pas ça, c'est la Pixel D, il y a Ifto qui est 7-8 mai, ça j'y serai aussi, donc Bernet, oui, ok bah j'ai les dates, c'est au début juin, voilà. Donc j'ai dit des bêtises, je pensais pas que c'était Bernay la ville, mais c'est Bernay. Donc allez, le gars avec ses papillons là, pourquoi il me les a pas pris tout à l'heure cet abruti? Hein papillon toi, j'en ai 26 et j'en ai 4, et ça va faire 30, ça fait un truc de fun hein. Il en faut 30. Parce qu'il faut utiliser un objet, utiliser les papillons. C'est ça la blague? Il ne le fait pas tout seul. Oh, tu en as déjà ramassé deux. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, autant de bruit? On décolle. Non, mais je rêve. Il les a pas pris tout à l'heure. Régisseur, la grichée. Ah, ça, c'est cool, ça. On va pouvoir se voir. Ah, ça va être cool. Ah, tu vas voir mon beau stand. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Enfin debout. Je reviens. Hein? Je reviens de l'enfer. Tout d'abord, je vole dans les airs, puis je constate que ma cage à insectes est cassée en mille morceaux. Avant que je réalise ce qui se passe, je suis tombé ici. J'abandonne, je me fiche de ces stupides papillons-feuilles. Où sont-ils partis? Les papillons-feuilles sont rassemblés autour d'une sorte d'œuf. De toute façon, je pars d'ici. Attends, une minute, où suis-je? On va avoir un super truc papillon-feuille d'or reçu! C'est trop la fête quand t'as un objectif qui termine. Ça marche, Argotique. Bah, bonne nuit. Et puis, bah, écoute, bah, on papote très très vite de ce que tu fais à la Fnac. C'est bon, ça, c'est bien. Bravo, c'est cool en tout cas. Ah, je suis content pour toi. Alors, bon. Bah, écoutez, on a reçu un papillon feuille doré, c'est bien. On arrive à un nouvel endroit. Pour moi, même les oiseaux dans le ciel sont des chiens qui. Des chiens kebabs, des chiches kebabs. Pour moi, même les oiseaux dans le ciel sont des chiches kebabs. Ah bon, je m'excuse. Ah, tu dis quelque chose? Non, je meurs de faim. Tout m'a l'air bon à manger. Ah, comme j'aimerais avoir quelque chose à me mettre sous la dent. Je meurs de faim. Ça remplit le calendrier geek. Je crois qu'il y a aussi Montivilliers fin d'année. Ah, je sais pas. Montivilliers. Il y a un truc au Havre. C'est de poète Montivilliers au mois de c'est quoi mai mais bon après c'est pas trop mais où t'es parti là non t'en vas pas comme ça y a plein de trucs à faire encore mais oui c'est cool voilà le calendrier il se remplit gentiment ça va repartir oulala ça c'est le truc à donner au gars d'accord non bon je remonte parce que j'avais d'autres trucs à faire. Alors vers Louviers, ce serait vraiment cool. Mais ils avaient fait une fois un truc, le festival des jeux, mais c'était pas terrible. Après, je pourrais me proposer de faire un truc au niveau du si c'est le pôle jeu vidéo, ça pourrait le faire, quoi. Salut bébé, 91. T'avais vendu plusieurs jeux à l'époque, dont Psychic Detective. Oh, ça remonte, oui. Oh la vache. Oui, il y avait un lot avec le Psychic Detective, je me souviens. Grave, je me souviens, je t'avais demandé, je t'avais dit, ouais, mais il est en anglais, je l'ai, et tout, il n'y a pas de français. Tu m'as envoyé une photo, il y avait bien du français au dos, ou dans la notice, je sais plus. Et la notice est tellement épaisse de ce jeu-là qu'elle a du mal à rentrer dans la boîte. Ça avait marqué, hein, Psychic Detective, un jeu tout chelou. Ah, ça fait plaisir, bah, c'est cool de te retrouver. Bah, bienvenue, voilà, tu vois. Il y a du tombi, voilà, c'est le vrai, le seul, l'unique, mon petit tombi à moi, sur une... Une vraie PS1. Oui, Louviers, ça ferait moins de route, effectivement, Zel. Ouais, je confirme. Bah, on sait jamais, un jour, peut-être, voilà. Méga carton. Ouais, c'est clair. C'est cool. Alors, cela me surprend que tu aies réussi à trouver cet endroit. Pourquoi? Bienvenue au village caché. Ah. Il y a un petit panneau là. Alors, un petit bonhomme. As-tu rencontré un certain Yann sur ton chemin? Non, et il faut pas que je fasse le truc avec lui. C'est mon fils, il aime jouer.
Assez stupide partie 2, cache-cache et ne rentre que si quelqu'un l'a retrouvé. Il a sûrement faim. Alors qu'il est dit, pourrais-tu m'aider à le retrouver, lui donner ceci, coffret repas de Yann reçu. Je compte sur toi, surtout ne mange rien avant de l'avoir retrouvé. Oui. Et faut pas le... Je crois qu'il faut pas finir la partie de cache-cache tout de suite. Il faut éteindre un petit peu. Bon, du coup, depuis le psychique détective, Bubé, enfin, je sais pas si c'est Bub ou Bubé, je sais pas comment on dit. Depuis le psychique détective, il y a un petit peu plus de jeux qui sont rentrés, mais il en reste des assez farfelus à trouver encore. Hein. Il y a des trucs assez compliqués. Alors, tous ici, nous aimons nous cacher. Tu connais Yann? Non. Non, je le connais pas encore, mais je ne veux pas le trouver. Oh, c'est la fin des haricots. Les cochons protègent une chose en or assez bizarre. Okay. Ma foi. Une petite sauvegarde avant de repartir. Village caché, enregistré de nuit. Oui. Appelle-moi bébé. À Louviers, c'est un salon de jeux de société par une association tous les deux ans, mais avec le Covid, ouais. Mais en fait, il y avait une partie qui était pas mal. Hein. C'est une ancienne usine. C'est une ancienne usine. J'ai pas dû y travailler à ce local-là, mais c'est anciennement chez Mekagé. Et ça a été réhabilité. Donc il y a une partie, il y a toute une partie effectivement jeux de société. Il y a une autre partie, une espèce de, il y a un truc en sous-sol. Il y avait un autre bâtiment. Je passais à gauche dans le gros bâtiment central. À l'étage, ils avaient mis du jeu vidéo, mais genre il y avait 3-4 PC qui se battaient en duel avec une N64 quoi. C'était assez horrible. Quand je suis arrivé là-dedans, je fais merde. Même moi à grucher, je fais mieux quoi. Tu fais bon avec quelques consoles quoi. Tu te dis, ça faisait pas un peu pitié, mais presque. Tu te dis, les gars, mettez une Mega Drive, mettez une Super Nintendo, mettez une NES, une Master System, mettez la base, quoi. On vous demande pas de mettre un Sharp X68000. Perdu par le voleur, reçu. Perdu par le voleur, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais j'avais trouvé ça un peu limite, leur festival du jeu. C'était une bonne initiative, mais du coup, je me dis, si je revois le truc passer, ça me dirait bien de m'y investir peut-être un peu plus, voilà. Pourquoi pas, ça pourrait être cool, quoi. Mais ouais, grave, avec du Amstrad CPC, c'est un truc tout bête, mais y avait pas, quoi, tu fais bon... Super gros lot avec plein de jeux sympas. Mais grave, bébé, oui, non, c'était... Alors je me souviens pas des autres jeux, mais il devait y avoir, il y avait pas Diablo. Je me demande si tu avais pas pris Diablo, peut-être, je sais plus. Mais il y avait, ouais, non, c'était un super lot. Bah le psychique détective, c'était le petit plus. Si je crois savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça je peux l'avoir. Coffret repas reçu. Et je l'ai raté. C'est clair que c'est le genre de lot de jeu qui fait grave plaisir, quoi. Ça va être tendu pour remonter à droite, là. Par là, y a rien. Oh. Merde. Ah. Je crois que c'est un piège à la noix en bas. Il semble qu'il n'y a rien pour se rattraper. Ouais, j'aime pas ça. Y'a rien.
rien pour s'accrocher là. Allez, on y croit là. Louvier, c'est compliqué, la preuve avec Rémi. Bah, après Rémi, c'est vrai qu'il a pas eu la chance de d'ouvrir la boutique un mois avant le premier confinement, donc c'était, c'était bien, bien compliqué quoi. Mais Diablo, ah tu vois. je sais plus la vidéo, ça date. Hein. Mais oh, ça date. Putain, ça date il y a 5-6 ans, combien? 5 ans peut-être? Le retour dans la grotte maudite, ouais, Titicraft. Mais là, tu vois, c'est marrant, j'ai l'impression que la dernière fois, j'avais pas pris l'ombrelle. J'ai un doute. Après, Louvier, ça dépend. Ils ont des super moyens, mais... c'est... Bon, après, ça reste une petite ville de campagne, quoi. C'est ça qui est un peu... qui est pas évident, mais... Fast travel dans le village caché, je suppose, pratique pour explorer la grotte et en recommencer tout en haut de nouveau. Oui, 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 j'imagine, Titicraft. Pour recommencer tout en haut de cette fameuse grotte, mais ça n'empêche pas que tu crois. Ah oui, de faire ah oui, le village caché. Ah oui, bien vu. Attends, il y avait lui. Voilà. Lui, le truc du voleur, je sais pas quoi là. Si tu le trouves, donne-le-moi. Oui. Le truc du voleur, je sais pas quoi là. C'est pas un voleur lui? Cloche. Il y avait un truc. Coffret repas du. Non, c'est à moi. Perdu par le voleur, voilà. Regarde, ça le fait ça. Ouh, diable, l'as-tu trouvé? Merci, ouf. Grâce à ton aide, le grand boss ne m'en voudra pas, je peux partir maintenant. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, j'ai même pas besoin de faire ça, j'ai juste à faire... Ah, si je suis obligé de te poser, d'accord, ok, bon, d'accord. Poser là, est-ce que ça te va? Objet, effectivement, bien vu pour le village caché. Écoute, on va tenter. Tac, tac, tac. Village. Alors, s'il est caché, du coup, c'est peut-être... Parce que là, il n'y est pas. Village peint. Mon tour. Place de la charité. Non, justement. Justement, du coup, s'il est, il est caché, c'est que tu peux pas y aller. Les petites filoutes. Et pour y aller, comment on y arrive au village caché? C'était avec la... Ah, c'est chaud, parce qu'on y est allé avec la cage. Mais du coup, on peut pas y aller. Non. Oh, oh, oh. On peut pas y aller. Non. Ah, ça m'aurait étonné. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Il commence à se faire tard. Voilà. Tu as eu des quêtes, tu peux forcément y retourner. Ben, ou peut-être qu'une fois qu'on trouve le fameux fils ou je sais pas quoi, non? On va regarder les quêtes vite fait. Un peu triste ou net cette musique là, non? Et il n'y a plus de vent. Hey, hey, hey. Alors, fait. Il y avait le truc avec le labyrinthe du fils. Il faut pas le faire. Faut pas le faire tout de suite. La porte du voleur creuse. Besoin de fiole de larmes. Montagne cassée. Je meurs de faim.
Je meurs de faim, il y avait ça. Trouve de quoi manger pour cette personne. Et... le célèbre mineur, some cheese, aliments pour poissons, le devin bleu, les rochers pompes à remettre. Apporte son repas à Yann. Mais Yann, il n'est pas forcément dans le village. Tu pourras peut-être y revenir après, mais... deux idées émoticônes, j'ai pris mes calques, je ferai quand j'ai 5 minutes pour me changer de mes jaquettes. Ah yes, excellent. Ah mais grave, grave, on peut mettre plein de trucs. Hein. Moi après, moi je suis chaud, hein, moi, il n'y a pas de souci. Là où la barrique roule, la barrique s'est enfoncée jusqu'au fond. Ok. Sur de la CDI. Ah oui, CDI c'est chaud. Hein. Bon, donc ici on a... oh, direct, y'a plus le vent. Ouais, ça c'est fait. T'étais pas obligé d'avoir le... on imagine que c'est ton... il y a du vide en dessous. Y'a un bonhomme là-haut. En bas, on est d'accord qu'il y a que du vide. Hein. Oh Malik, tu étais tombé du phénix. Quelle coïncidence que tu aies atterri dans le village Bacchus. Le phénix, il est retourné là-haut dans son nid. Si tu as assez de courage pour franchir les grottes de lave, tu peux aller le voir. Mais on y est déjà allé. Mais attends, il te faut un grappin pour franchir les grottes de lave. Moi, j'ai déjà le grappin. Grappin pour franchir les grottes de lave. Bon, la CDI, moi, ça me parle un peu moins, hein, mais... donc là on peut pas... wow, wow, wow. Et de là où il est... on est d'accord que ça ne sert à rien d'aller voir le bonhomme et de partir à droite. Ouf putain, je crois que j'allais tomber. C'est que ça. Le phénix t'emmène ailleurs maintenant que le vent ne gêne plus. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Je me posais aussi la question. Là où il y a un coffre. Hein. Il est interminable ce jeu. Rigolote cette ombrelle en fait. Elle plane. Je te demande si vraiment tu peux tomber. Je me connais, là je vais tomber et ça va pas être là. Du coup là c'était quoi là-dedans? C'est le truc, c'est la grotte. Mais alors le grappin, j'en ai un grappin moi. Oui, j'ai pas pensé à... alors, si je fais ça... oh là 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 là, le mec il a pas pensé qu'il avait un grappin. Je jure. Moi, 5, ça va le faire. Là, il y avait un coffre, mais non. Ouais, ces trucs-là, ils reviennent. Ça repop alors. Voilà. Purée. Je le crois pas. Le grappin. Ah. Oh, punaise. Ça. Fermé, oui, merci. Ça, je suis au courant. Viens là, toi. Viens. Oui, voilà. Mais du coup, je suis tombé par là. J'ai fait quoi là? On va essayer. Bon, vite fait, mais après, je pense que c'est l'heure d'aller au dodo. Hein. N'oublie pas que tu l'avais amélioré au dernier live. Ah, tu vois, je me rappelle pas.
Tu peux pas t'accrocher au coffre avec le grappin. A priori, non. T'as fusionné le fléau et le grappin. Oh, je m'en rappelais même pas. Je remonte vite fait. Alors, monsieur le phénix. Là, y a rien. Non. Trop. Fallait se tourner vers lui. Oh là 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 là. C'est compliqué leur truc. Hein. Alors, où allons-nous avec le phénix? Regardez-moi ce beau dessin animé. Joli. C'est un peu court, mais c'est joli. Ça valait bien le coup pour finir la soirée. Bon, je suis mort. Bon, allez, ça va être l'heure d'aller au dodo. Oh, c'est la jungle. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, enregistrement. Et semaine prochaine, ça sera peut-être pas le. Ça sera peut-être pas tombé, j'en sais rien. On verra. Oui, oui. Mais c'était cool. Franchement, on a progressé, encore une fois. Go dodo, on l'a bien mérité. On l'a bien mérité. Ah bah punaise. Mazette. Allez, retour. Voilà. Retour avec le Cyril. Ouais, je suis rincé. Je suis rincé aussi. En tout cas, c'était cool. Putain, voilà. Super live encore, comme d'habitude. Merci à tous. Merci à tous bah voilà, de m'avoir suivi, supporté, encouragé, aidé, tout ce que vous voulez. Et voilà, bah toujours que du bonheur. Que de voilà de parcourir ces jeux PS1. Bah, en fait, c'est toujours un peu le problème quand je vois des jeux qui sortent sur PS4, PS5. Je me dis, ah oh ouais, trop bien, Clonoa qui va sortir sur PS4, PS5, ce que vous voulez, Switch et compagnie. Mais j'ai même pas fini le premier, enfin celui sur PS1. Bon bah voilà, on est parti, on va se refaire celui sur PS1. Oui, bon, c'est moins joli, mais bon, après, ça reste le même jeu. Enfin voilà. Bon, en tout cas, c'était bien cool. Merci, et puis voilà, j'ai envie de vous dire bonne nuit, bonne journée pour ceux qui verront peut-être cette vidéo en replay, en VOD, puisqu'elle atterrit toujours sur la chaîne secondaire Cyril PS1.0. Il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne Cyril 2.0, mais ça reviendra. Voilà, un peu de boulot en ce moment, puis encore une fois, je prépare les conventions, vous allez voir ça, ça va être, j'espère que ça plaira. Voilà, et c'est possible grâce à GR3D qui est passé tout à l'heure, qui fait de l'impression 3D, voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'était cool, merci beaucoup. Et puis bah écoutez, bah voilà, Ricadada, on essaye de mettre en place ce que tu m'as dit. J'y connais rien, mais on essaiera d'appuyer sur les boutons pour voir comment ça fonctionne. On verra ce que ça donne. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite, bonne nuit, et puis on se retrouve très vite, voilà, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles expériences sur PS1, des expériences à tester. Allez, ciao. Bonne nuit à tous. Salut. Bon, je vais regarder. Oui, avant de partir, je vais regarder quand même pour un petit raid, peut-être. Est-ce qu'il y a une petite chaîne sympa où on pourrait aller faire un petit coucou? Alors, lancer un raid. Ajouter un repère, héberger. Lancer un raid. Qui est Atomium, Mister Karate, Axwell Roswell, Muffin Stop, Benzaï. Qui est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce que vous connaissez Muffin Soup? Muffin Soup. Je sais pas si vous connaissez. Allez, Muffin Soup. Allez, sur ce, bonne nuit à tous. Ciao.